Bien-aimé, tu ne viens pas occulter parce que tu es plus fort, mais c'est par la grâce de Dieu. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu a voulu que nous soyons là et il a quelque chose à donner à chacun de nous ce matin au nom de Jésus. Donc je veux que tu élèves ta voix, commence à parler à Dieu, bénis-le, rends-lui grâce. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Commençons à prier, bénissons l'Éternel, rendons-lui grâce, disons-lui merci. Reconnaissons sa fidélité et son amour dans nos vies. Témoigne ta reconnaissance, ta gratitude à l'égard de notre Dieu, le Dieu de notre Père, lui qui nous rassemble encore ici ce matin. Nous voulons lui dire merci. Béni soit ton nom, Père, merci pour tout. Nous te rendons grâce, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Je veux entendre quelqu'un dire amen comme le tonnerre. Écoutez bien, mais lorsqu'on te demande de dire amen comme le tonnerre, ce n'est pas par hasard. La Bible dit que les murs de Jéricho sont tombés. Lorsque les enfants de l'Éternel ont crié, Dieu leur a dit le dernier jour, criez. Ils ont crié, les murs sont tombés. Quand tu dis amen, les murs de Jéricho de ta vie tombent au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen comme le tonnerre? La Bible dit dans Daniel chapitre 9, Daniel s'était rendu compte que le peuple d'Israël était encore en captivité alors qu'il y a des années qu'il devait être libéré. Il y a dans nos vies l'esprit de retard qui tient ta bénédiction et t'empêche de prospérer. Il y a plusieurs années, il y a plusieurs mois qu'il y a des choses que tu aurais dû faire, mais jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à les réaliser parce qu'il y a une forteresse qui s'est levée contre toi pour t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Mais ce matin, par la grâce du Dieu de notre Père, nous allons nous attaquer à cette forteresse au nom de Jésus. S'il y a ta bénédiction qui est retenue en captivité, par ta prière, tu libères ta bénédiction au nom de Jésus. Lève ta main, dis mon Père et mon Jésus. Toute forteresse de retard, tout esprit de non-accomplissement qui m'empêche de réaliser tes promesses pour ma vie. Oh Dieu, ce matin, je renverse cette forteresse. Je chasse cet esprit de retard. Ouvre ta bouche, je commence à prier avec autorité. Commence à renverser l'esprit de retard. Toute forteresse de retard tombe ce matin. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Seigneur, toute forteresse de retard, tout esprit de retard. Oh Dieu, Seigneur, tombe ce matin au nom de Jésus. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour tes bénédictions. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'adore. Jésus, je te loue. Tu es fidèle. Tu es merveilleux. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. La Bible dit dans Daniel chapitre 10 que lorsque Daniel a pris la résolution de prier pour que le peuple d'Israël sorte de la captivité en Babylone, et lorsqu'il a pris un jeûne de 21 jours, dès le premier jour, Dieu lui a dit, j'envoie la réponse. Mais il y avait une forteresse, un nom fort à cette époque à Babylone qui s'appelait le prince de Perse, qui a retenu la réponse que Dieu avait envoyée à Daniel par un ange. Beaucoup d'entre nous, il y a des démons qui s'interposent entre nos bénédictions et nous. Alléluia. Dieu t'a déjà répondu depuis, mais tu n'arrives pas à posséder ce qui t'appartient. Parce qu'il y a une forteresse familiale qui est entre ta réponse, ta bénédiction et toi. Mais ce matin, nous devons renverser cette forteresse. L'homme fort là doit tomber. Et ce qui retenait en captivité doit te parvenir au nom de Jésus. Lève ta main, dis mon Père et mon Jésus. Toute bénédiction qui m'appartient et qui a été interceptée par mes ennemis, par l'homme fort de ma famille. Oh Père, ce matin, par la puissance de ta parole, je renverse cet homme fort et j'arrache mes bénédictions. Ouvre ta bouche, commence à prier avec autorité. Toute bénédiction qui se trouve dans les mains de tes ennemis, entre les mains de l'homme fort de ta famille, je veux que tu pries ce matin. Commence à arracher cette bénédiction.
quiconque est assis sur ton mariage, ta santé, ta promotion, que cette forteresse tombe ce matin. Merci Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Père Saint, Dieu de gloire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père pour tout ce que tu vas faire. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'adore. Jésus, je te loue. Béni soit ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Je n'entends pas quelqu'un dire amen ce matin. Bien-aimés, nous allons prier contre l'ennemi de ce programme. Amen. Tu vas demander à Dieu que tout ce qui a été planifié contre ce programme, que l'Éternel le rende nul et sans effort au nom de Jésus. Lève ta main et dis mon Père et mon Jésus. Ta parole déclare, toute arme forgée contre toi, je le rends nul au nom de Jésus. Par cette parole, Père, tout ce que le diable et ses agents ont planifié contre ce programme, Père, nous le détruisons. Père, nous le renversons. Au nom puissant de Jésus, ouvre ta bouche, commence à prier. Même si le diable s'attaque au groupe, il s'attaque aux instruments de musique, il s'attaque à n'importe quel instrument qui peut être une bénédiction pour ce programme. Commence à oindre toute la salle, commence à oindre les instruments, le groupe, par le sang de Jésus. Que toute même maléfique soit coupée ce matin. Seigneur, merci. Parce que tu soutiens toutes choses en ce lieu, par ta puissance. Les basses, les instruments de sonorisation, le groupe, la lumière. Seigneur, tout, Seigneur, est entre tes mains, sous ton saint contrôle. Que l'ennemi, Père, ce matin ne se réjouisse point. Annule, Seigneur, tout plan contre ce programme au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. La Bible dit dans Ecclésiastes chapitre 10 qu'il y a une erreur sous le soleil. Les esclaves qui sont assis sur les chevaux, mais les princes que toi et moi sommes marchent à pied. Alléluia. Il y a des situations dans ta vie que tu ne devais plus vivre. Amen. Comment nous pouvons évangéliser, dire à nos familles, à nos amis, que le Dieu que nous servons ici à Réma est un Dieu puissant et un Dieu qui bénit, s'il ne voit pas cette gloire en chacun de nous. Amen. Parce qu'aujourd'hui nous sommes à pied, mais ce sont les païens, ceux qui insultent notre Dieu, le Dieu de notre Père, qui règne, qui gouverne. Ça doit changer ce matin au nom de Jésus. Papa nous enseigne sur le trafic de destinée. Qui quelqu'un a trafiqué ta destinée, aujourd'hui tu récupères et Dieu restaure ta destinée au nom de Jésus. Chacun de nous ici est appelé à de grandes choses, pas de petites choses. Amen. Donc tu vas demander à Dieu, Seigneur, ce matin, je veux voir ta gloire dans ma vie. Ne sors pas d'ici sans la gloire de Dieu dans ta vie. C'est le mois de la gloire au nom de Jésus. Lève ta main, dis mon Père et mon Jésus. Toute personne, tout ennemi, dans la maison de mon Père, dans la maison de ma mère, qui est assez sur ce qui m'appartient, qui a volé mon étoile, qui m'empêche de réussir. Oh Dieu, à partir de ce matin, que cette erreur soit corrigée. Je récupère ce qui m'a été volé et j'entre dans ma gloire. Ouvre ta bouche et commence à prier. Bien-aimé, ça ne doit plus se passer. Tu n'es pas appelé à servir les autres. Tu n'es pas né pour échouer. Le Dieu de notre Père nous a appelés pour réussir dans notre famille, dans notre génération. Et nous prions ce matin que sa gloire se manifeste dans nos vies. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Toute personne qui a trafiqué ma destinée, Seigneur, je récupère et restaure ma destinée. Seigneur, ouvre-moi de grandes portes. Seigneur, je veux voir ta gloire dans ma vie. Seigneur, manifeste ta gloire dans ma vie, Père. Mon Dieu, mon roi, Dieu de mon Père, Dieu qui a appelé mon Père, Dieu qui a établi mon Père. Seigneur, je prie que ton alliance dans nos vies, dans la vie de ton serviteur, parle dans nos vies au nom puissant de Jésus.
Seigneur, je te loue, je t'adore. Merci Jésus, parce que tu le fais ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Je veux entendre quelqu'un dire amen comme le tonnerre. Je veux qu'on prie pour le Père. Alléluia. Prions pour notre Père. Amen. Tu vas demander à Dieu ce matin que toute personne qui s'est levée contre son serviteur, alléluia, que cette personne tombe au nom puissant de Jésus. Toute personne qui s'est déclarée ennemie de son oracle, que Dieu le mette sous les pieds de son serviteur au nom de Jésus. Lève ta main, dis mon Père et mon Jésus. Toute personne, de près comme de loin, qui s'est levée contre ton serviteur, notre Père, oh Dieu, que cette personne tombe au nom de Jésus. Seigneur, que cette personne soit sous ses pieds. Oh mon Dieu, donne-lui la victoire dans toutes ces batailles au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche, commence à prier pour notre Père. Merci Jésus, parce que tu agis encore une fois de plus dans la vie de ton serviteur, notre Père. Seigneur, ta grâce dans sa vie. Seigneur, ta grâce dans sa vie. Seigneur, viens manifeste ta puissance. Seigneur, quels que soient ses ennemis, Seigneur, qui devient son marche-pied. Seigneur, Papa, donne-lui la victoire dans toutes ces batailles. Seigneur, mon Dieu, que ton nom soit davantage invoqué puissamment. Seigneur, dans la vie de ton serviteur, notre Père. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ta fidélité et ton amour dans sa vie. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous allons demander à Dieu ce matin que toute parole qui sortirait de la bouche de notre Père, que Dieu confirme cette parole ici, pas demain, ici, sur ta vie, sur ta famille, sur tes projets, sur ta destinée. Lève la main, dis mon Père et mon Jésus. Confirme ce matin toute parole qui sortirait de la bouche de ton serviteur, notre Père. Seigneur, manifeste ta puissance par des prodiges, par des miracles, par des prophéties. Oh Dieu, où est ton serviteur et que sa coupe déborde. Ouvre ta bouche, commence à prier pour notre Père. Mon Père et mon Jésus, mon Dieu et mon Roi, merci Seigneur, parce que tu ouins la bouche de ton serviteur. Seigneur, tu ouins sa coupe. Seigneur, tu remplis sa coupe et elle déborde. Ce matin, Seigneur, que la bouche de ton serviteur, Seigneur, mon Dieu, mon Roi, Seigneur, soit remplie. Et que tu relâches, Seigneur, des prodiges, des miracles, des prophéties. Oh Père, Seigneur, écarquille ses yeux, ouvre ses yeux. Seigneur, utilise-le puissamment ce matin. Merci Jésus. Merci mon Dieu, mon Roi. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu vas faire au travers de ton serviteur, notre Père. Seigneur, merci parce que tu agis. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous allons demander à Dieu de protéger et sécuriser notre Père. Amen. Sa famille, sa maison, partout où il en verra, que ses anges campent autour de lui. Alléluia. Papa nous a encore parlé hier, vendredi, nous a encore parlé pendant qu'il était à Douala cette semaine, alléluia, par rapport aux trois anges qui lui ont apparu, alléluia. Donc nous allons demander à l'Éternel que notre Père, son serviteur, soit sécurisé, que le sang de Jésus le rende encore intouchable, invisible. Lève ta main, dis mon Père et mon Jésus. Que tes anges continuent de camper autour de ton serviteur, notre Père. Seigneur mon Dieu, mon Roi, rends-le intouchable et invisible. Merci Éternel parce que tu le fortifies. Ouvre ta bouche, commence à prier pour notre Père. Merci Jésus pour ton serviteur, mon Père. Merci Jésus parce que tu es fidèle. Merci pour tout ce que tu fais au travers de lui. Merci pour ta protection. Merci Père Éternel pour ta sécurité. Merci Père Éternel pour les anges qui l'accompagnent. Merci Éternel mon Dieu parce que tu nous donnes la force. Béni soit ton nom, Papa, dans sa vie. Je te loue, je t'adore pour tout ce que tu fais dans sa vie. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus en signe d'exaucement de nos prières? Tourne-toi vers ton voisin de gauche et de droite. Tu lui donnes un signe de victoire. Tu lui souhaites la bienvenue. Tu lui rappelles que tu l'aimes de l'amour de Jésus. Dis-lui, voisin, voisine, je t'aime de l'amour de Jésus. Précise bien de l'amour de Jésus. Ça veut dire, l'amour là vient de Jésus. Alléluia. Moi aussi, je t'aime de l'amour de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Avant de passer le témoin à Rema Voice,
Je voudrais tout simplement te rappeler, pour ceux qui ont leur témoignage, dimanche dernier, papa a prié pour toi. Et je sais que tu es là, tu as ton témoignage. S'il te plaît, par la compassion de Jésus, ne rentre pas avec ton témoignage. Et si tu as une offrande spéciale, action de grâce, connexion, offrande sacrificielle, viens te faire enregistrer également. Et comme je l'ai dit, s'il vous plaît, soyons vivants. Amen. Elles sont pour acclamer Jésus. Rema voice. Alléluia. Alléluia. Continue à clamer, continue à clamer, continue à clamer. Continue à clamer. Amen. Tu veux louer l'Éternel, balance les mains. Balance les mains, dis Seigneur, je vais te louer ce matin. Nous avons déclaré des paroles ce matin pour louer l'Éternel. Amen. Amen. Tu dois chanter avec la chorale ce matin. Alléluia. Ah, Jésus. Les acclamations, alléluia.
et la mano. C'est j'ai la mano. Hey, hey. J'ai la mano. Je reçois, oh, on reçoit ton miracle ce matin. Jésus, s'il te plaît, mets-toi debout, acclame Jésus si tu es assis. Acclame le roi, célèbre-le. Nous accueillons le Seigneur au milieu de nous ce matin. Je vais t'aimer. 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 Oui, t'aimer. Oh. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer. Oh. Sarami wa inna buraka wa anasla. Tarasi wa inno meros in frotei. Zoin. Rabone filaki anautol sematei. Je veux t'aimer, oh, tout Jésus. Je veux t'aimer, oh mon Dieu. Je veux t'aimer. Et Sarah, tu as fini. Waterka wa ino merno, tasalai wa ino banu kifido, yalasi wa ino merdo yifilos men arei. Monterasi, rabana elo paro de matalei, onasla wa ino lokai. Jerame. Me. Oh.
Osperazo Ayumelo Ospera Milo Kasurame Ayumelo la Ti m'a sauvé Ti m'a sauvé Je suis sauvé, tu m'as sauvé, oh. Hey, alors il n'a pas banalisé la sauvé. Saramena ou le fil comme il t'a autour de ma tête. Jésus, tu m'as sauvé, oh. Oh Jésus. Yeah.
Stefano Gonga. Calmez-vous. Saimi pa mare, la bidi urome, Stefano Gonga. Saimi pa mare. Mi dono te fama e mi anda no massa. Amante mi mauni, io te fa gonga, gonga der Isa, Isa lando, Isa baba. Ciao mi rao, usene mi rewa alame. Sai mi pa mare. Mi andano gonga e mi dono torama e anna giabia. E ye te fere mi dono torama aneli malai kama o ware. O ole o hisneam o sheni mi rewa alame. Kobe kwedo wandamo, koro bedo wandamo, kobe kwedo yimdamo, berde mendo yidimo, kobe kwedo kellamo. Amen.
Acclame Jésus. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Quelqu'un ne célèbre pas Jésus ce matin. Pendant que tu es debout, ouvre ta Bible avec moi dans Proverbes 25, verset 1 à 7. Proverbe 25, verset 1 à 7. Et Dieu Pharaoh sera l'aromé. Et Dieu Pharaoh qui sera bravo fera. Ya fera. Adonai sera. Uspera azure mexera mi more hoje e te farò fero ma cafer esperaso gasuri stravo fra e sera mi malo adonai se Ospera, azure, vencerà mi amore a te. De Jésus. Voici encore des proverbes de Salomon, recueillis par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur, et le cœur des rois sont impénétrables. Ôte de l'argent les scories, et y en sortira un vase pour le fondeur. Ôte le méchant de devant le roi, et son trône s'affermira par la justice. Ne t'élève pas devant le roi et ne prends pas la place des grands. Car il vaut mieux qu'on te dise, monte ici, que si l'on t'abaisse devant le prince, que tes yeux voient. Ne te hâte pas d'entrer en contestation. Ça va. C'est jusqu'à 7. Que Dieu te bénisse. Tu lis très bien, ma fille. Tu as le don de lire. Quand tu lis, le réma coule sur moi. Mais d'autres, quand ils lisaient là, je ne sais pas si c'est le charabia ou c'est le tika. Quand tu lis, on sent que tu aimes la parole, ma fille.
Relis-nous encore le passage, je suis pardon. Relis encore. Proverbe 25, 1 à 7. Voici encore des proverbes de Salomon. Ta main suit la voie. Non, il y a des lectures de la Bible que même le prédicateur, il oublie le thème, il perd tout. Mais ta main suit. Elle l'introduit d'abord. Tu sens qu'elle a l'autorité. Lis ma fille, Dieu va te donner un mari comme ça. Oui. Quand c'est le mariage, c'est là que les femmes sont, mais les femmes qui étaient moumou depuis le matin, tu entends leur voix. Allons-y. Voici encore des proverbes de Salomon, recueillis par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. Oh. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Oh. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur, et le cœur des rois sont impénétrables. Ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour le fondeur. Ôte le méchant de devant le roi, et son trône s'affermira par la justice. Amen. Ne t'élève pas devant le roi, et ne prends pas la place des grands, car il vaut mieux qu'on te dise, monte ici, que si l'on t'abaisse devant le prince que tes yeux voient. Amen. Dis mon Père, mon Jésus, ouvre-moi l'esprit, et je comprendrai ta parole, et que je sois sauvé par elle, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Dis amen comme le tonnerre. Donne amen comme le tonnerre. Est-ce qu'on peut me donner amen comme le tonnerre? Acclame Jésus, je sens ta présence dans cette salle. Assois-toi dans sa présence, que Dieu te bénisse. Bonne arrivée. Sois la bienvenue à ton voisin. Vous me suivez? Vous suivez? Le baffle qui au fond là-bas ça donne. Oui mais l'Éternel est bon. Apposez ça ici. Je te le dis, il faut me croire. Venez avec. L'Éternel est bon. Et c'est Rami Lo Gazaro. Et c'est Rami Filougay Amravilo. Cher ami mon bano diasmer Ijevaro Maoli Ijefera Milo Maoli Ijefera Anao. Un petit baffle comme ça vous menace comme ça mes frères. Ijefera Sere Asura mi valo Marufini mana geshera Esifera Anura banali Seravo Monrabe niginasravo. Comment accéder à la royauté divine? Dis à ton voisin, comment accéder à la royauté divine? Le mois prochain, je dois avoir un séminaire de mariage. Il faut qu'on vous recycle déjà. On doit déjà recycler les jeunes pour un mariage réussi. On dit mariage à succès ou bien mariage successoral. Hein? Moi, je dis un mariage réussi, tout simplement. On dit mariage à succès ou un mariage successoral. À succès. Les filles du français. Ok. Acclame pour toi-même. Comment accéder à la royauté divine? Regardez mes amis, je voudrais que vous soyez très attentifs. Qui veut devenir roi? Qui veut devenir roi? Roi. Qui veut devenir roi? Voyez, il y a dans les dimensions spirituelles, il y a les rangs. Est-ce que vous comprenez? Il y a des rangs. Au ciel,
Parmi les anges, il y a les rangs. Sur la terre, dans l'église, il y a les rangs. Partout, il y a des rangs. Dans la création tout entière, Dieu a basé le fondement de la création sur les rangs. Ce qu'on appelle la hiérarchie. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous voyez Dieu, il est assis sur son trône. Il y a les 24 vieillards, il y a les chérubins, et puis il y a les qui? Hein? Oui, les quatre roues, les archanges, on a les séraphins, on a les chérubins. Ça, c'est le cœur des anges qui est dans l'intimité de Dieu. Le reste, c'est loin de Dieu. Ils sont loin, ils sont éloignés de Dieu. Donc, il y a la hiérarchie. On ne parle pas n'importe qui, n'importe comment. Il y a des rangs, il y a des autorités spirituelles à respecter. Et je vous ai expliqué une fois que la création de Dieu tout entière est calquée sur le modèle de la hiérarchie et des ordres spirituels. C'est pour cela que vous verrez que lorsque Dieu a commencé à créer, il a créé l'homme d'abord, ensuite la femme. Et il explique que l'homme est le chef de la femme et que la femme n'est pas l'esclave de l'homme, mais une aide pour l'homme. Et Dieu a fait venir tous les animaux afin que l'homme les nomma. C'est la hiérarchie. Pour dire aux animaux, voici votre chef. Celui qui te donne un nom est supérieur à toi. Voilà pourquoi l'autorité des parents est forte. Parce qu'ils nous donnent le nom, c'est un pouvoir. Ils décident du nom que tu portes. Et le nom que tu portes peut avoir une assonance dans ta vie. C'est la hiérarchie, c'est l'autorité dans la création. Et donc vous verrez que Dieu va créer le soleil, qui est le chef dans son système. On parle du système solaire. Et puis autour du soleil, il y a des planètes qui oscillent autour d'elle, autour de lui. Il y a des planètes qui caracolent et chevauchent autour du soleil. Et puis chaque planète, comme la planète Terre, comme Jupiter, et je pense, il y a Neptune aussi. Chacune de ces planètes a des petites planètes qu'on appelle des satellites, qui tourne autour d'elle aussi. Elle aussi chef dans son univers. Et partout le soleil, partout ces planètes vont, leurs satellites tournent autour d'eux. Comme la Terre a son satellite, qui est la Lune, pour l'éclairer la nuit, pour éclairer sa face cachée. Donc la Lune est au service de la Terre, parce que la Terre est supérieure à la Lune. Elle est la chef de la lune. Donc il y a les autorités partout. Et vous verrez cela dans la vie animale. Le lion est le chef de sa famille. Les lions vont chasser. Quand elles finissent de terrasser une proie, elles ne touchent pas à la proie. Elles attendent le roi, leur roi. Il vient, il mange ce qu'il n'a pas travaillé. Quand il a fini le reste, les lions vont aussi manger ça. La hiérarchie. Dans une famille, on a un père et on a une mère. La mère est soumise au père, les enfants sont soumis au père et à la mère. La hiérarchie, le gouvernement, la royauté. Donc Dieu a pris le modèle de sa royauté et il a juste infusé ça dans la créature. Comment devenir roi? Et donc dans l'église, il y a des hiérarchies. On est tous enfants de Dieu, mais on n'a pas tous les mêmes rangs spirituels. Nous n'avons pas tous les mêmes accès spirituels. On n'a pas la même autorité, mes amis. On n'a pas le même niveau de connaissance. On n'a pas le même niveau de richesse spirituelle. On n'a pas le même niveau de compréhension des mystères du royaume de Christ. On n'a pas le même niveau de manifestation de sa gloire ni de sa puissance. Tout dépend des rangs et des hiérarchies spirituelles. Et vous verrez que dans les Saintes Écritures, la Bible va enseigner ces choses-là. Et je voudrais te montrer qu'il y a ce qu'on appelle les accès à la royauté divine. Tu peux devenir un roi. Oh, la façon dont les gens me menacent. Toi, c'est comme si tu n'as pas dormi. Moi, je n'aime pas dormir la nuit. Si toi, si tu t'assois là. Et ça, vous comprenez? Donc, la Bible dit, Jésus-Christ d'Apocalypse dit ceci. Il dit, à celui qui vaincra, je ferai de lui une pierre dans la maison de mon Père. Et l'apôtre Pierre le dira aussi, que lui-même étant
la pierre angulaire. Il a fait de nous, étant une pierre vivante, il a fait de nous des pierres vivantes pour bâtir un édifice spirituel qui est l'église. C'est ça, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Que Jésus-Christ est la pierre principale. Et nous sommes aussi des pierres. Il est la pierre de l'angle, la pierre angulaire, et nous sommes les pierres qui bâtissent l'édifice. Tu es une pierre, je suis une pierre, l'autre est une pierre, tout le monde est une pierre. Voilà pourquoi il dit Oti sois Petros, en taute te petra, ou kodome soumouten ecclesia, kai poulaï adou, ou kati soussoussin, outes. Et moi je dis que tu es pierre et je suis un roc. Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prouveront jamais sur elle, donc ne remporteront jamais de victoire sur elle. Donc parce que je suis l'église, parce que tu es l'église, Satan ne doit jamais remporter une victoire sur ta vie, ni sur ma vie. Toute bataille engagée contre toi est déjà perdue, parce que tu es vainqueur, parce que Christ en toi l'espérance de la gloire et de la victoire. Et donc, Jésus dira que à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans la maison de mon Dieu. C'est ça qu'on appelle la colonne en fait. Je ferai de lui une colonne dans la maison de mon Dieu. Donc vous voyez que la Bible dit que certains enfants de Dieu sont des parpaings dans les murs de la maison de Dieu et d'autres sont des colonnes. Vous savez que l'église s'y est basée sur les murs et sur les colonnes. Mais si on enlève un parpaing, mais si on enlève tous les parpaings de l'église, si l'église ne tombera pas. Est-ce qu'on est d'accord? Si on enlève tous les parpaings ici, ça ne fera rien à l'édifice. Ça va devenir un gaz, c'est ça l'influence. Il y aura un changement, c'est vrai. Mais l'édifice ne va pas tomber. Mais si on touche les colonnes, l'édifice va tomber, même s'il y a tous les parpaings. Ça veut dire quoi? Il y a des enfants de Dieu qui, dans les rangs spirituels, sont des colonnes dans l'église et pour l'église. On ne les touche pas. S'ils meurent, ils entraînent la chute de plusieurs. Parce que l'église est appuyée sur eux. C'est pour ça que la Bible dit que l'église a été bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il y a des gens qui ont tellement travaillé leur vie spirituelle que l'église est basée, l'église est appuyée sur eux. L'église tire la source de sa subsistance et de son existence par leur foi. Ils sont une force pour plusieurs. Plusieurs personnes sont fortes parce qu'ils sont forts. Plusieurs personnes sont debout parce qu'ils sont debout. Plusieurs personnes croient encore en Dieu parce qu'ils croient en Dieu. Plusieurs personnes ont de la passion pour Christ parce qu'ils les voient dans la passion pour Christ. Ils sont des colonnes, c'est des forces. Si quelque chose leur arrive, il y aura des grands dégâts collatéraux dans la vie de plusieurs personnes. La foi de plusieurs personnes sera affectée. Donc, il y a des gens dans l'église qui sont des parpaings, des pierres. D'autres sont des colonnes. C'est deux catégories différentes. Une colonne est devenue une autorité incontournable dans l'église. Maintenant, hormis ça, je parle de cela. C'est une forme d'incipit, d'introduction, pour te faire comprendre ce que je veux t'enseigner ce matin. L'accès à la royauté divine. On peut définir roi. Ça dit que tu marches, on te voit, tu n'as pas de richesse, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de maison, mais tu es roi dans le règne spirituel. Tu portes la royauté en toi. Et tu influences ta génération par cette royauté. Parce que regardez, les réalisations extérieures sont la rémanence, la réminiscence, la réverbérance, le reflet de la royauté en vous. Il n'y a qu'un roi pour manifester la royauté. Si vous voyez une personne manifester la royauté, quand on parle de la royauté, c'est le gouvernement. C'est une personne qui, partout où elle arrive, elle est respectée, elle impose le respect. Juste par sa présence, elle est charismatique, elle a les charismata du Saint-Esprit, les charismes de l'Esprit. C'est une personne qui a une autorité redoutable. Elle n'a pas besoin de parler. Lorsqu'elle arrive quelque part, on reconnaît que quelqu'un est arrivé. On parle de la royauté divine, spirituelle. Il y a des personnes qui sont devenues des rois dans le règne de Dieu. Nous sommes
hiérarchiser, mes amis. Parmi nous, il y a des soldats, première classe, deuxième classe. Il y a des caporaux, il y a des sergents, des majors, sergents, sergents-chefs, adjudants, adjudants-chefs, sous-lieutenants, lieutenants, capitaines, commandants, lieutenants, colonel, colonel, général. Chacun en son rang et grade. Il y en a aussi qui sont des soldats zéro classe, zéro macabo. Ils n'ont aucune identité spirituelle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore accédé à la royauté. Mais nous sommes dans le mois de la gloire. Et je te donne le secret de l'accès à la royauté divine. Tu peux devenir un roi. Tu peux accéder au rang des rois. Et je vais vous expliquer. Allons d'abord, avant de revenir dans Proverbe 25, verset 1 à 7, lisons un peu Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 4. Tu dois comprendre quelque chose là-bas. Mettons debout s'il vous plaît. Honorons le roi des rois. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose. Lorsque la Bible dit que Jésus-Christ est le roi des rois, il s'agit de quel roi? Il s'agit des présidents des républiques. Hein? C'est ça? Quand on dit qu'il est le roi des rois, ça veut dire quoi? Qu'il est le roi? Non, mes amis, lorsqu'on dit que Jésus-Christ est le roi des rois, les rois là, ce n'est pas les rois de la terre. Non. Il parle d'une catégorie de chrétiens, d'enfants de Dieu, qui sont devenus des rois dans le règne invisible. Écoutez, nous avons été appelés à la royauté. Jésus nous a transmis la royauté pour régner sur la terre. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nous sommes, l'homme a été établi roi sur la création de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une royauté à exercer. Et je vais vous expliquer ça ce matin. Oui, lisons. Lis d'abord Apocalypse. On va voir les caractéristiques de la royauté. C'est quoi la royauté? C'est quoi un roi? Oui. Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 4. Il est écrit. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Oui. Et sur son trône, quelqu'un était assis. Oh. Celui qui était assis. Calme-toi, ma fille. Vous savez, le passage de la Bible m'a tellement façonné que j'ai composé un chant sur ça. Oui. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône. Et sur ce trône. Quelqu'un était assis. Quelqu'un était assis. L'ancien des jours. Oui. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Oui. Et de sardoine. De sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Oui. Autour du trône. Écoutez maintenant. Autour du trône. Autour du trône, je vis 24 trônes. Je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards. Et sur ces trônes, 24 vieillards. Assis. Assis. Revêtus de vêtements blancs. Oui. Et sur leur tête, des couronnes d'or. Et sur leur tête, des couronnes d'or. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Maintenant, écoutez mes amis. Ces 24 vieillards sont le principe généalogique de la royauté divine dans l'Église. C'est des hommes qui entourent Dieu. Ils représentent l'humanité rachetée par le sang de Christ. Ils représentent, c'est les ambassadeurs de l'humanité dans la présence de Dieu. C'est des hommes, c'est des humains. Mais ils ont chacun un trône, chacun revêtu de vêtements royaux, avec des couronnes en or sur leur tête. Et la Bible dit qu'ils jettent tous les jours leur couronne aux pieds de celui qui est assis sur le grand trône. Et il l'adore, et il l'adore, et il l'adore. Ils sont donc les pères des vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Et ils sont les prémices des rois qui ont encore des combats à combattre sur la terre
avant d'aller rejoindre le roi des rois dans le royaume céleste. Ils sont le prémisse de ceux qui sont devenus des rois en servant Christ et en marchant avec lui. Maintenant, écoutez mes amis. Jésus-Christ a dit ceci aux apôtres. Il dit au jour du jugement, il y aura 12 trônes et chacun de vous sera assis sur son trône. Le trône, c'est pour qui? Hein? Le trône là, c'est pour qui? Hein? Et si vous ne parlez pas, vous êtes Momo. Le trône, c'est pour qui? C'est pour les rois. Hein? Quand on parle de trône, on parle de quoi? De royauté. Alors ça dit quoi? Les apôtres sont des rois en fait. Donc quand la Bible appelle Dieu le roi des rois, il s'agit de ceux qui ont été couronnés par lui dans le spirituel pour régner, pour manifester sa gloire et son gouvernement au milieu de sa création, de toute la création. C'est des personnes devant qui le reste de la création se prosterne, reconnaissent la royauté de Dieu dans leur vie. La Bible dit que Dieu dit qu'il ne partage pas son honneur à un autre, ne donnera pas sa gloire, son honneur à un autre, ni sa gloire aux idoles. C'est ça, n'est-ce pas? Et dans l'église, on a l'habitude de dire que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. C'est faux. Dieu partage sa gloire. La Bible dit plusieurs fois que la gloire de l'Éternel descendit sur tel. La gloire de Dieu descendit sur Moïse. Dieu dit, je ferai rayonner ma gloire sur ton, sur ta face. Il dit, je te donnerai ma gloire. Quand Dieu dit qu'il ne donne pas sa gloire à un autre, ou bien son honneur aux idoles, ça veut dire qu'il ne donne pas sa gloire à ceux qui sont devenus des idoles, qui la cherchent. Comme le diable qui a voulu la gloire par le coup d'état. Dieu ne donne pas sa gloire à ce genre de personnes. Mais à l'homme qui n'a même pas demandé, il a donné sa gloire. Il l'a fait à son image et à sa ressemblance. Lui a donné le pouvoir, l'autorité, le gouvernement, la richesse, la magnificence, la puissance sur toute sa création. Il a partagé sa gloire avec l'homme. Mais il ne la partage pas avec ceux qui veulent l'arracher. Ceux qui sont devenus des idoles, qui veulent prendre sa place de Dieu. Donc, écoutez mes amis. La première chose qu'il faut savoir, c'est déjà qu'il y a des enfants de Dieu qui peuvent accéder à la royauté. C'est ce qu'on appelle un concours interne. J'ai un de mes fils ici qui va faire un concours interne. Il est gendarme déjà. Il y a des gars qui vont faire le concours là, à l'extérieur, c'est le concours de lieutenant, à l'extérieur. Mais lui fait ça à l'interne et il a plus de possibilités. Mon ami, tu peux devenir roi. Vous savez, écoutez, je prie que Dieu me donne la sagesse pour vous expliquer. Nous sommes des enfants de Dieu, mais le genre d'ange qui t'accompagne dépend du grade spirituel que tu as. Il y a des enfants de Dieu qui sont accompagnés par un ange, d'autres par deux anges. Il y en a aussi à cause de leur rang. Ils sont accompagnés par toute une garnison d'anges. D'autres par une armée d'anges. D'autres sont accompagnés par des généraux de l'armée de l'Éternel. Partout ils vont. Pourquoi? Parce qu'ils portent et représentent un intérêt capitalissime pour Dieu et son royaume. Ils sont accompagnés par des grands de l'armée de Christ. Donc le genre d'ange qui t'accompagne est proportionnel à ton grade spirituel. Et donc, dans ce passage, la Bible parle des 24 vieillards. Et je veux que tu comprennes bien, de tous les êtres qui sont dans le ciel, il n'y a que ceux-ci qui sont des humains. Et Dieu les a tirés comme des prémices parmi les hommes pour nous montrer de façon physique et visible la manifestation et la participation à la royauté divine. Tu peux devenir roi. Dieu peut faire de toi un roi. Et il devient ton roi. Et tu deviens le roi de sa création. Et quand tu atteins la royauté, je vais te montrer tout à l'heure ce que tu deviens. Tu deviens dangereux. Que Dieu fasse de toi un roi, une reine ce matin. Maintenant, regardez, dans Apocalypse chapitre 4, verset 4, la Bible parle des caractéristiques de la royauté divine qui est ton partage. Parce que
Parce que, attendez mes amis, s'il vous plaît. Lorsque Jésus-Christ est arrivé sur la croix, j'explique tout ça en un kipit pour que tu comprennes avant que je ne touche Apocalypse. Quand Jésus est arrivé sur la croix, il y a eu un échange. Il y a eu un échange. On est d'accord, n'est-ce pas? Il y a eu un échange sur la croix. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ est venu en tant que roi. Il est mort en tant qu'esclave. Hein? La couronne d'or sur sa tête a été enlevée. Elle est partie où? On lui a remplacé ça par une couronne d'épines. La couronne d'épines représente les douleurs du poison du péché. C'est-à-dire qu'il a enlevé la couronne de pécheur que nous portions sur nos têtes. Il a enlevé sa couronne en or, celle de la royauté. Il l'a placée sur la tête de tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Renonçant à leur vie passée, renonçant à la mondanité, renonçant au péché, renonçant aux passions de la jeunesse, renonçant à tout ce qui définit l'homme païen, l'homme sans Dieu, pour croire en Jésus. Sur cela, Christ a posé la couronne d'or et il a retiré de leur tête la couronne d'épines que le diable avait mise pour les maltraiter, pour les opprimer, pour les oppresser. Et Jésus a porté ça sur lui. Il y a eu un changement d'identité. Il y a eu un échange de hiérarchie spirituelle. Il a fait de nous des rois et il est devenu esclave à notre place. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est devenu malédiction pour que nous devenions bénédiction. Il n'a pas été maudit, mais il est devenu malédiction pour que nous fussions des bénédictions. Il est devenu esclave pour que nous fussions des rois. Il est devenu esclave pour qu'on soit libre. Je ne suis pas n'importe qui, mes amis. La couronne de la royauté de Christ est sur ma tête. Je suis un roi. C'est pour ça qu'il a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. En hébreu, on parle d'Elohim. Vous êtes tous des Elohim. Elohim, tous fils d'Elohim. Ça veut dire quoi? Vous êtes des dieux, fils du grand Dieu qui a fait de vous des dieux. Hein? On est des Elohim à l'image d'Elohim, le grand Elohim. Donc je suis un Dieu. Tel il est, tel nous sommes, mes amis. Nous ne sommes plus des humains, des pauvres humains. On n'est plus de simples humains. Nous sommes des dieux, nous sommes des rois et nous manifesterons la royauté dans cette génération. Et dans Apocalypse 4, la Bible explique les trois caractéristiques principales d'un roi. La première chose, c'est la couronne sur sa tête. Et la Bible précise que c'est la couronne en or. Lorsqu'on parle de la royauté, d'une personne qui manifeste l'onction de la royauté, c'est une personne qui, dans le règne spirituel, Dieu a posé sur sa tête une couronne. Elle porte une couronne. C'est ça qui la distingue des autres. La Bible dit, mon bien-aimé se distingue entre les 10 000. Lorsque la couronne d'or est sur ta tête, mon ami, mon bien-aimé, partout où tu arrives, on sait que quelqu'un est arrivé. On sait qu'un roi est arrivé. On sait qu'une autorité spirituelle est arrivée. Quand tu arrives quelque part, tu n'as pas besoin de dire que tu es là. La gloire de la couronne de Dieu sur ta tête dit à tout le monde que quelqu'un est arrivé ici. La couronne d'or, c'est le symbole de la royauté. C'est le règne en fait, c'est la royauté. Lorsqu'on parle de la royauté, on parle des richesses de Dieu. Tu manifestes les richesses de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire que c'est une notion de distinction. Elle te distingue partout. Ta vie est différente de celle des autres. Ton témoignage est différent de celui des autres. Partout où tu arrives, quand on te voit, on sait que quelqu'un est arrivé. Ça te donne le droit à la royauté. Quand quelqu'un porte la couronne sur sa tête, il a ce qu'on appelle la gloire de la royauté. Quand on parle de la gloire de la royauté, on parle de la majesté. Ta vie devient majestueuse. Je ne sais pas comment j'ai expliqué ça. Laissez-moi vous donner des exemples pour mieux élucider mon propos. Je vous ai raconté une fois que je suis allé à Dubaï et j'étais dans un restaurant, je mangeais. Et pendant que je mangeais, il y a une dame qui est venue.
Et quand la dame est arrivée, elle m'a salué, elle a dit, bonjour prophète. J'ai dit, madame, vous me connaissez? Elle a dit, non. J'ai dit, mais attendez, j'ai fait un peu savoir que je suis un homme de Dieu. Elle a dit, quand on vous voit, ça se sent. Que quand il y a quelque chose que vous dégagez, j'ai ressenti une onction, j'ai ressenti une puissance en vous. Amen. J'ai ressenti quelque chose de glorieux. Ça, c'est quand la couronne de gloire est sur ta tête. Amen. Tu ne parles pas, les gens savent qui tu es. Ton identité est reconnue. Partout où tu arrives, quand on parle de la couronne, de la royauté, mon ami, ça fait que quand tu arrives partout, tu es respecté. C'est à cause de ça qu'on te respecte. Les gens te respectent. Quand tu parles, on a même peur de toi à la mesure. Oui, c'est comme ça que ça se manifeste. Il y a un saint respect que les gens ont pour toi. Tu dégages une crainte parce que la gloire de l'Éternel est sur toi. Hier, j'étais quelque part avec le prophète Martial et certains de mes bien-aimés. Nous sommes arrivés et on est arrivé, on a trouvé les plus grands comédiens camerounais. Ils étaient là, que vous connaissez tous. Et j'étais en babouche. On est arrivé, ils étaient en train de faire un casting. Quand ils m'ont vu, tous se sont levés. L'autre est venu, où on était. Elle est venue, ah, je vous salue. Oh, l'autre s'est levé, il dit, oh le milliardaire, voilà notre milliardaire. L'autre s'est levé, il dit, voilà mon grand, mes respects grands, et tout ça. Pourtant, je ne les avais jamais croisés en face. Pour la première fois. Et il y avait une dame qui était assise à côté de moi, le prophète Martial. On était en train de discuter. Et la dame me pose la question suivante. Vous êtes un prophète? Quand je parle, la dame, elle était mondainement habillée. Les pieds croisés avec une mini-jupe. Elle s'en foutait. Elle me demande, vous êtes un prophète? Le prophète Marcel, moi, on s'est d'abord regardé. On a marqué peut-être 5 secondes d'arrêt. Et je me suis retourné, je lui ai demandé, pourquoi madame? Elle a dit, parce que vous dégagez quelque chose. Vous dégagez quelque chose. J'ai regardé le prophète Martial. On a commencé à sourire. Elle me dit, vous avez un calme que je ne peux pas expliquer. Et il y a quelque chose en vous qui se ressent, c'est trop fort. Il n'y a que quelqu'un qui est avec Dieu qui peut dégager quelque chose comme ça. On ne la connaissait pas, elle ne nous connaissait pas. Pourquoi? Parce que quand la couronne de la royauté est sur ta tête, partout où tu arrives, tu ne peux plus te cacher. Tu deviens célèbre parce que tu es un roi. Un roi n'est pas caché. Un roi ne peut pas se cacher. Partout où tu arrives, ta renommée se répand à gauche, à droite, à cause de la royauté. La couronne royale sur ta tête. C'est quelque chose de spirituel. Écoutez, on peut t'introniser roi dans le spirituel. Quand ça arrive, tu vas juste remarquer un changement dans ta vie. Tu vas remarquer une manifestation d'une gloire qu'il n'y avait pas avant. Tu sais quelque chose s'est passé. Je vous ai raconté mon histoire à Douala la semaine passée, n'est-ce pas? Je vous ai expliqué que les trois généraux de l'armée de l'Éternel, mon Seigneur, m'ont dit, nous avons été envoyés vers toi pour te donner quelque chose. Pendant ces 3 jours, voici 2 jours que tu as déjà perdu. Il te reste 1 jour, le 3e. J'ai prié Dieu de 3 heures jusqu'au matin. Et le lendemain, j'ai compris que la chose avait été déposée. Comment j'ai fait pour comprendre ça? Les anges ne sont plus revenus pour me dire que bon voilà, on a déposé un nom, pas. Ils sont partis sans me dire au revoir. Mais j'ai remarqué que depuis Douala, chaque nuit, chaque fois que je ferme les yeux, j'ai des révélations. Je vous dis la vérité. Il suffit que je somnole, que j'ai vu quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et ça fait des années que je n'ai plus vécu ça. Des années. Ça veut dire que depuis 2005, où le Seigneur me baratinait, où il me draguait. Toi, c'est même toi qui dragues Dieu pour le servir. Nous, Dieu nous a dragués, on a dit non pendant 2 ans. Il a couru après nous. Quand Dieu me draguait, l'époque là,
Toutes les nuits, j'avais les révélations. Dieu me parlait en désordre. Quand j'ai accepté, il a disparu. Maintenant, les songes étaient devenus rares chez moi. C'est lorsqu'il y avait quelque chose d'important, d'urgent, que Dieu me parlait en vision. Mais ce n'était plus qu'à tout bout de champ. Et maintenant, j'avais gardé juste ma communion personnelle avec l'Esprit. Je l'écoutais audiblement, tout simplement. Mais le songe, c'est une autre expérience avec Dieu, mes amis. Ça a un autre goût. La révélation par le songe, c'est autre chose. Et on en a besoin, mes amis. Depuis Douala, dès que je ferme les yeux, je vois des choses. Toute la nuit, je vois des choses. C'est là que je comprends qu'on a déposé quelque chose sur moi. Donc lorsque la couronne vient sur ta tête, on ne te dira pas que tu as reçu. Tu vas remarquer que tu as reçu quelque chose parce que le rythme de ta vie va changer. Les événements de ta vie seront modifiés par la couronne sur ta tête. La gloire va commencer à te poursuivre. La gloire va te localiser. Tout ce qui est glorieux viendra à toi. Tout ce qui est misérable va sortir de ta vie. Parce que la royauté a été posée sur ta tête par le symbole de la couronne des rois. Il n'y a pas de royauté sans couronne. Il n'y a pas de roi sans couronne. Le deuxième élément qui fait la royauté, c'est le sceptre. La Bible dit que le sceptre de la domination sera donné au Shiloh. Je pense que c'est Genèse 42, 10. Il dit le sceptre de la domination sera donné au Shiloh. Il n'y a pas de roi sans sceptre. Vous voyez le sceptre, n'est-ce pas? C'est le bâton là, le bâton qui symbolise le pouvoir, l'autorité, la puissance. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui accède à la royauté qui ne manifeste pas la puissance de Dieu, ni le pouvoir de Dieu, ni son autorité. C'est une personne dont la vie fait autorité dans sa génération. Quand il dit quelque chose, vous voyez, quand il parle, la chose va arriver. Lorsqu'il dit une chose, ça arrive. Il a l'autorité. S'il te bénit, tu seras béni. S'il te maudit, tu seras maudit. Pourquoi? Il a l'autorité dans sa bouche. Et Jésus-Christ donne cette autorité à l'église en disant Dososoidas Kleidas Tes Basile Anton Uranoi. O ayant luces epites ges estai, lelemenon entois uranois. O ayant deses epites ges estai, dedemenon entois uranois. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. C'est-à-dire que si tu maudis, le ciel maudit. Ce que tu déliras sur la terre sera délié au ciel. Si tu détaches, le ciel détache. C'est un pouvoir énorme, mes amis. Et dans Ésaïe 22, le verset 22, il dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Il l'ouvrira et personne ne fermera. Il fermera et personne n'ouvrira. Ça, c'est le droit de la royauté, à travers le sceptre de la royauté. Un enfant de Dieu qui a le sceptre de la royauté, il peut fermer le ciel ou bien l'ouvrir. Il peut fermer la vie de quelqu'un ou bien ouvrir la vie de cette personne. Lorsqu'il parle, le ciel met son cachet dessus. Il est dangereux parce qu'il a le sceptre du gouvernement divin. Lorsqu'un roi dit qu'on t'exécute, on va t'exécuter. Ton sort est scellé. Et même si on devrait t'exécuter, si le roi te donne la grâce, on ne va plus t'exécuter. Il y a un grand pouvoir que ceux qui sont devenus des rois dans le règne divin manifestent. Mais l'Église ne connaît pas ça. Et vous voyez, mes amis, quand tu ne connais pas une chose, tu ne vas pas la chercher. On ne peut chercher que ce qu'on connaît. Tu ne chercheras jamais ce que tu ne connais pas. Donc laisse-moi te dire une chose. Où tu es, tu peux accéder à la royauté. C'est à cela que Christ nous a appelés. Il nous a invités à la royauté sur la croix. Tous ceux qui vont à Golgotha, de tout leur cœur, descendent avec la royauté de Christ. Et Christ s'en va avec leur esclavage. Le sceptre de la domination. Vous voyez, c'est à travers ce sceptre que nous grondons et le diable tremble. Quand tu arrives quelque part, les sorciers ont peur de toi. Parce qu'ils voient le sceptre de la royauté. La Bible explique que lorsque Esther devrait jeûner à cause de Mardoché,
de Haman qui voulait assassiner toute sa famille. Son oncle Mardoché lui a dit, va dire au roi de nous venger. Esther a dit, je ne peux pas me présenter devant le roi comme ça. Parce que dans l'empire médo-perse, à cette époque-là, même la reine n'avait pas autorité de se présenter devant le roi, fût-il son mari, C'était interdit. À une simple exception, si la reine arrivait et que le roi lui tendait le sceptre et qu'elle faisait bisou au sceptre, alors on ne l'exécutait pas. Donc Esther ne savait pas si en se présentant devant son mari qui était le roi, si son mari allait présenter le sceptre ou pas. S'il ne le présentait pas, on allait l'exécuter. Donc c'était risqué. Elle a jeûné, elle a pris un grand risque, elle a mis sa vie en danger pour rencontrer le roi. Et le roi lui a tendu le sceptre. Et sa vie a été sauvée. Donc écoutez mes amis, le christianisme n'est pas une faiblesse. Un chrétien ne doit pas être faible. Un chrétien est plus dangereux que la bombe atomique, que la bombe nucléaire. La parole de sa bouche est plus dangereuse que toutes les bombes sales et les armes bactériologiques que l'humanité a inventées jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes dangereux, mes amis. La parole de ta bouche, lorsque tu as le sceptre, est dangereuse. Même dans les blagues, si tu dis quelque chose de négatif sur quelqu'un, même si c'est ton enfant, ça va arriver. Parce que Dieu veille sur ta parole en ce moment pour l'exécuter, parce que c'est lui-même qui a fait le serment que tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Lorsque le sceptre de la domination et de la royauté est dans ta vie, tu fais attention aux paroles qui sortent de ta bouche, parce que beaucoup de gens peuvent mourir à cause de toi. Parce que tu es sous l'immunité divine. Tu as l'immunité divine. On ne te touche pas. Le troisième signe de la royauté, c'est le trône. Dis le trône. Dis à ton voisin le trône. Le trône, il n'y a pas de roi qui reste debout. Il y a toujours un trône pour les rois. Chaque roi, il y a un trône. Il dit, et je vis dans le ciel un grand trône. Et autour de ce trône, 24 trônes. Et sur chacun de ces trônes, 24 vieillards assis. Que Dieu te donne ton trône. Tout enfant de Dieu qui écoute ce message, qui n'a pas retrouvé son trône, dont le diable a volé le trône, que l'Éternel t'aide à retrouver ton trône ce matin, qu'il te soit restitué dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu as besoin de trône, mon ami. Le trône, c'est la royauté. Le trône, ce n'est pas l'autorité. C'est la royauté. Le trône, c'est le gouvernement. Le trône, c'est le règne. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque quelqu'un a le trône, quand on parle de gouvernement, ça veut dire tous les anges sont à son service. Tous les pouvoirs du royaume sont mobilisés autour de cette personne. Les puissances, les pouvoirs spirituels sont autour du trône de cette personne. Elle a la majesté avec elle. Elle a le règne avec elle. Ça veut dire quoi? Qu'elle gouverne sur un royaume. Elle est assise. Le trône, c'est le symbole de l'établissement. Ça veut dire que Dieu t'a établi et personne ne peut te déstablir, destituer. Personne ne peut t'enlever de la place que Dieu t'a donnée. Dieu te donne une place. Il t'établit sur cette place. Et aucune autorité sur la terre, ni dans le ciel, ni sous la terre, ne peut t'enlever de cette place. Parce que tu as un trône. C'est le symbole de ton règne. Et dans ta famille, dans ta génération, tu commences à régner. Mes amis, le trône, quand tu es assis sur le trône veut dire qu'il y a un royaume. Et un royaume, c'est un ensemble de réalisations. C'est ici que la richesse de Dieu commence à être visible dans ta vie.
quand Dieu t'établit roi, tu n'as rien. Et dès que l'onction de la royauté est sur toi, elle commence à produire les choses. C'est là que ton trône, la Bible dit que Dieu commence à affermir ta royauté. Ta royauté ici, ce n'est pas que tu es le président d'un pays, mais tu es roi dans ton univers. Tu commences à produire des choses qu'un enfant de Dieu simple ne peut pas produire. Tu commences à réaliser des choses grandes, plus grandes que celles qu'on voit dans ta génération. Parce que tu as une notion supérieure. Dieu t'a établi. Tout ce qui sort de toi est royal. Ton mariage royal, la vie de tes enfants royale, tes réalisations royales, ta maison royale, ta voiture royale, ton travail royal, ton habillement royal, ta démarche royale, ta pensée royale, ta parole royale, tes actions royales. Tu es un roi qui produit la royauté. Et tous ceux qui entrent en contact avec toi ont aussi le parfum de la royauté sur eux. Leur vie est enjolivée. Leur vie est embellie. Leur vie est arrangée. Parce qu'ils ont croisé un roi. Personne n'entre dans un palais et sort comme il est entré. Ta renommée va changer. Les gens vont commencer à faire des selfies avec toi. Ils vont faire des photos devant ton palais. Qui va rencontrer un président sans demander une photo? Ta génération commencera à s'identifier à toi. Pourquoi? Parce que ta destinée a été révolutionnée par le Saint-Esprit. Tu es devenu un roi. Dieu t'a donné un trône dans ta génération. Il a fermé ta royauté. Tu deviens différent d'un enfant de Dieu qui n'a pas de trône, qui n'a pas de gouvernement, qui est comme un électron libre, qui ne marque pas sa génération. Vous savez, mes amis, pourquoi est-ce que dans l'église aujourd'hui, on a l'impression que certains enfants de Dieu prospèrent et d'autres sont misérables? C'est le droit de la royauté. Dis à ton voisin, le droit de la royauté. Maintenant, vous connaissez les trois caractéristiques qu'il faut un roi, n'est-ce pas? Revenons donc dans le passage de base. Allons dans Proverbe 25, verset 1 à 7. Lis encore ça, ma fille. Je vais expliquer, on va prier. Voici encore les proverbes de Salomon. Je prie que Dieu fasse de toi un roi. Que Dieu fasse de toi une reine. Recueilli par les gens. Vous voyez, mes amis, quand la royauté vient sur toi, la pauvreté est bannie. La mendicité est bannie. Le célibat est banni. Je ne prêche pas un message comme celui-ci pour que tu ailles te marier à Tinga et Lobby. Tu te maries à Tinga et Lobby, je t'attrape, je te tape. Je te dis que ça, ce n'est pas le message que je t'ai prêché. Tout ce qui va être produit de ta vie doit être royal à partir de ce matin. Je suis en train de parler comme ça. Vous savez, mes amis, nous parlons des choses que nous connaissons, que nous vivons. À chaque moment de mon ministère, j'ai connu mes augmentations de grade. Parfois, je me suis retrouvé dans des cérémonies d'intronisation. Je me souviens une fois, je priais pour mon ministère et puis j'ai eu dans une vision, il y avait l'intronisation de deux hommes de Dieu dans la ville de Yaoundé. Et j'étais l'un des deux. Mais je suis arrivé en retard. Et puis, les vieillards qui devraient nous introniser avaient déjà fini la cérémonie avec l'autre. Quand je suis arrivé, j'ai dit, je suis en retard. Ils m'ont dit que tu es en retard, trop tard. J'ai commencé à supplier. Et il y a un de mes pères, mon papa spirituel, qui est arrivé. Il s'est mis à intercéder pour moi devant l'ancien des jours, devant le vieillard. Il a tellement intercédé, il disait au vieillard, non, pardonnez-lui son retard, vraiment regardez son zèle, regarde son engouement, sa dévotion pour le ministère, il n'a plus de vie, toute sa vie ce n'est que ça, et regarde sa passion pour toi, pour l'œuvre de Dieu et tout, et puis pardonne son retard. Et le vieillard a dit, je pardonne, viens. Et dans la vision, j'avais, vous voyez les vêtements des évêques là, n'est-ce pas? Mais j'avais la tunique des évêques là. Mais c'est arrivé où il y a ma veste ici. Toi, tu as d'avoir un évêque qui a une tunique comme la veste. Et j'avais un sceptre en main. Mais c'était un coup sceptre, comme la spatule. Mais c'était un sceptre. Et j'avais sur ma tête le petit chapeau des évêques là. Donc quand je suis arrivé, on a enlevé
la petite tunique que j'avais, quelle que la veste. Le vieillard m'a revêtu d'une tunique qui tirait au sol, toute brodée d'or. Et il a pris le sceptre que j'avais en main, le petit sceptre. Il m'a donné une longue canne en or. Et mon petit chapeau, là, il a mis un long chapeau sur ma tête. Et il a versé l'huile sur moi, il a dit va. Quand tu vois ce genre de rêve, sache que ton niveau spirituel a changé. On t'a augmenté de grade dans le monde invisible. Tu n'es plus la même personne. Quand je me suis réveillé, j'ai su qu'une grâce spéciale était versée sur moi. Et je vous ai dit à Douala, j'ai vu des militaires en apparat. Ils n'étaient pas en camouflet. Ils étaient en vêtements d'apparat pour un événement. Et les trois généraux sont venus. Je parle de ce que je connais. Des mondes auxquels j'ai eu la grâce devant Dieu de participer. Il y a des rêves que quand tu vois, ça veut dire que tu n'es plus la même personne. Quelque chose est tombé sur toi. Le ciel a mis un dépôt dans ta vie. Quand tu te réveilles de ce rêve, bannis l'ancienne mentalité. Vois-toi au niveau où Dieu t'a mis. Marche avec audace. Marche avec courage. Espère en l'Éternel. Parce que ton Dieu est avec toi. Et tu n'es plus seul. You are not alone. Oui. Voici encore des proverbes de Salomon. Recueillis par les gens d'Ézéchias. Asseyons-nous, que Dieu vous bénisse. Oui, parce que je vais expliquer. Oui. Et dit, voici encore le proverbe de Salomon, recueilli par les gens d'Ézéchias, le roi de Juda. Oui. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. C'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de les sonder. Maintenant, je veux que tu comprennes. Parce qu'il fallait que je t'explicasse ce que j'ai expliqué au préalable pour que tu comprennes le reste. Et dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Ça veut dire quoi? Dieu est Dieu parce qu'il est caché. Et le roi devient roi parce qu'il trouve Dieu dans sa cachette. Et lorsqu'il parle de roi ici, c'est pas le président de la République. C'est une catégorie d'enfants de Dieu, d'hommes et de femmes qui ont mis leur bonheur à chercher Dieu de tout leur cœur et à trouver Dieu. Ils accèdent à la royauté. Qu'est-ce que ce proverbe veut dire? Ceux qui cherchent Dieu jusqu'à trouver Dieu deviennent des rois. Ils accèdent à la royauté parce que Dieu est roi. Tu ne peux pas le trouver hors de sa royauté. Il faut aller dans sa royauté pour le découvrir comme roi. Et tu deviens toi-même un roi. Et dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de les sonder, de les découvrir. Ça veut dire quoi? Ici, il parle de l'intimité, de l'accès au conseil de Dieu. Et ça va vous rappeler maintenant pourquoi on a lu Apocalypse 4:4, n'est-ce pas? Les 24 vieillards, leur trône est dans le secret de Dieu. Ils sont autour du trône de Dieu. Donc, ils accèdent dans le trône de Dieu. Dieu ne fait rien qu'il ne voit pas. C'est pour ça qu'ils sont rois. C'est pour ça que ils sont assis sur des trônes parce qu'ils ont accès au conseil de Dieu, au secret de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que la gloire de Dieu est dans son secret. Et le roi est celui qui parvient à déceler le secret de Dieu. Celui qui parvient à être assis autour du trône de Dieu. Il devient roi. Il y a une couronne sur sa tête. Vous savez donc dit quoi? Les rois dont la Bible parle, c'est une catégorie d'enfants de Dieu qui sont des intimes de Dieu. Dieu ne fait rien sans qu'il ne soit au courant. Toi, Dieu fait les choses. C'est au journal que tu apprends ça, c'est sur Facebook que tu peux apprendre. Tu es quel genre de roi? Normalement, tu dois devenir roi aujourd'hui. Et dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Si tu n'es pas roi, tu ne connaîtras pas les secrets de Dieu. C'est pour ça que vous serez étonné que certains enfants de Dieu, ils avertissent avant que les événements n'arrivent. Ils ont su ça où? Dans son secret. Pourquoi? Parce que ce qui fait leur gloire justement, c'est qu'ils connaissent le secret de Dieu. C'est ça qui fait leur force. C'est ça qui leur octroie le droit de la royauté. Il n'y a qu'un roi pour comprendre un roi. Ils ont le secret de Dieu. Ils sont dans l'intimité de Dieu. Lorsque Dieu veut faire un événement majeur,
Dieu passe par eux, il leur parle. Vous savez, Moïse a manifesté une telle onction royale qu'il est devenu conseiller de Dieu. C'est-à-dire que Moïse conseillait Dieu, mes amis. C'est scandaleux, mais il l'a fait. Ça vient de quoi? De ton niveau de consécration. Si tu mènes une vie mondaine, tu mènes une vie légère, une vie virevoltante, une vie voltige, tu ne connaîtras pas le secret de Dieu. Tu n'auras jamais accès au secret de Dieu. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu qui ne sont pas sérieux. Ce n'est pas pour ceux qui ne prient jamais, qui ne lisent jamais la Bible, qui même à l'église, ils vont, ils n'ont même pas la Bible. Ils ne connaissent pas la crainte de Dieu. Et vous voyez, j'étais en train de regarder hier et j'ai vu une révélation. Et il y a des leaders dans l'église ici que je vais punir aujourd'hui. Dès qu'est fini le culte ici, ils vont s'asseoir dans le peuple jusqu'à nouvel ordre. Parce que j'ai découvert qu'on a des leaders dans notre église qui ont des pages TikTok. Et ils vont danser le ndombolo sur leur page TikTok. C'est que je prêche ici, ils vont faire ça. Le contraire. C'est hier que j'ai vu ça. Et j'ai enregistré les preuves dans mon téléphone. Des leaders dans cette église qui dansent et montrent les fesses. Je vais danser sur vous tout à l'heure après le culte. Attendez, j'ai fini mon culte calmement. C'est inacceptable, mes amis. La Bible dit, si les premiers sont saints, la masse le sera. C'est-à-dire que si les leaders sont saints, les brebis le seront aussi. On ne peut pas prêcher quelque chose ici. C'est encore ceux qui sont des leaders qui vont faire le contraire. Pour que les jeunes sœurs qui sont dans notre ministère, quand elles vont voir ça, elles vont dire quoi? Ah, donc c'est la religion. On prêche, on fait autre chose. Non, mes amis. Toutes celles-là se reconnaissent. J'ai vu votre TikTok hier. Il y a d'autres, je vais continuer les recherches. Personne ne supprime son TikTok. Je vais les supprimer parmi les leaders. Ils sont indignes d'être leaders dans cette église. On va les mettre dans la foule. Qu'ils aillent s'asseoir où ils veulent. Il est temps que les gens deviennent sérieux avec Jésus. C'est pour ça que l'église perd sa gloire. Tu es un leader. Toi, une maman. Tu as les filles à la maison. Bah, allez, on s'en fout. C'est bien, tu as les fesses, non? Le jour où le feu va brûler une de tes fesses, là, tu vas comprendre que ce n'était pas pour aller exposer ça sur les réseaux sociaux. Ça te fait gagner quoi? Les gens gagnent quoi dedans? Après ça, la mort vient. Tu te calmes, c'est fini. J'étais avec papa Moukoko hier, il m'a parlé de sa mère, du programme du deuil. Elle est morte à 96 ans. Son père est mort, ça fait plus de 40 ans. Et je lui ai posé une question. Je lui ai dit, vois, ta mère est morte, oui. Ton père est mort, ça fait 40 ans, oui. Je lui ai dit, ça fait comme si ton père et ta mère n'ont jamais vécu. Elle a vécu 40 ans. C'est beaucoup, n'est-ce pas? Mais si elle n'est pas morte. Elle est morte, non? C'est comme si elle et son mari étaient morts le même jour. Les deux n'existent plus. Ça veut dire quoi, mes amis? La vie sur terre, c'est les bêtises sans Jésus. C'est éphémère. Éphémère. Ne vous laissez pas tromper. On parle. Tu as une jeune femme dans l'église, en plus pasteur. Tu parles, tu montes tes fesses. Je vais te montrer le feu sur les fesses là tout à l'heure. I go show you, Pepe. On parle, les gens ne comprennent pas. We go help you. On va t'aider à devenir modèle. Donc, montre-nous le passage, mon fils. Laissons d'abord les TikTok, on va gérer ça après. Il dit, les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur, les cœurs des rois sont impénétrables. Ce n'est pas les rois de la terre, parce que les cœurs des rois de la terre sont pénétrables. Nous révélons leurs secrets tous les jours. Mais ici, les rois dont il est question, c'est des enfants de Dieu qui tellement ont servi Dieu, tellement ont enduré la persécution, la honte, se sont consacrés, gardés purs pour Jésus-Christ, consacrés se battant tous les jours à plaire à Jésus malgré les persécutions, malgré la honte, malgré les railleries, malgré l'ignominie, malgré les moqueries. Ils n'ont pas renié Jésus-Christ. Ils n'ont pas renoncé à leur foi.
Ils ont continué à persévérer, à persévérer, à persévérer. Dans les beaux jours, comme dans les mauvais jours, ils n'ont pas renié le nom de leur sauveur. Jésus, pour les récompenser, leur a donné accès à la royauté. Et il leur a donné le pouvoir de sonder les secrets de Dieu. Et parce qu'ils sondent les secrets de Dieu, on ne peut pas sonder leur cœur. Parce que leur cœur est scellé par le secret de Dieu. Voilà pourquoi ici, la Bible compare leur cœur à la hauteur de la terre et à la profondeur de la terre. Comme la hauteur de la terre, la profondeur de la terre sont insondables, les cœurs des rois, c'est-à-dire de ceux qui sont dans le secret de Dieu, personne ne peut le sonder sauf Dieu. Et personne ne peut sonder le cœur de Dieu sauf ses rois. Et ça, suivez. Écoutez, c'est pour ça que l'apôtre Paul, l'un des rois, l'un des principaux rois de l'Église, a dit ceci. Qui peut connaître l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est dans l'homme? Il dit, qui peut connaître Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en Dieu? Il dit, nous, nous avons la pensée de Dieu car son esprit habite en nous. Oui. C'est des gens qu'on ne saisit pas. Lorsque quelqu'un accède à la royauté, il devient comme du vent. Le vent s'ouvre, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Tu deviens insaisissable dans ta génération. On ne peut plus te sonder. Non, non, on ne peut pas. On ne peut pas entrer dans ta vie, on ne peut pas entrer dans ton secret. On ne peut pas. Tu deviens comme une muraille fortifiée. Personne ne peut plus te comprendre. Il n'y a qu'un autre roi pour te comprendre. Parce qu'il a la même dimension de l'esprit que toi. C'est par l'esprit qu'on te comprend. Par l'esprit qu'on te sonde, parce que l'esprit sonde tout. Et que tu sondes par l'esprit les profondeurs de Dieu. Tu deviens un mystère. Tu deviens incompréhensible dans ta génération. Écoutez mes amis. Quand tu ne lis pas la Bible, tu perds beaucoup. Quand tu prends tes pieds, tu vas dans les bars, les boîtes de nuit, les endroits comme ça, ou les hôtels avec les femmes, les hommes, tu perds beaucoup. Tu perds beaucoup. Quand les hommes mariés viennent te draguer, tu acceptes. Tu perds beaucoup. Mais ce qui est malheureux dedans, c'est qu'un jour tu vas mourir. Fais attention à ta vie. Je t'en prie. Tu dois te concentrer dans ta relation avec Dieu. La nuit, lève-toi. Cherche Dieu. Il dit, vous me chercherez. Et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous appellerez et je répondrai, me voici. Beaucoup d'entre nous, on n'accepte pas la royauté. Si tu as la royauté, je te dis la vérité au nom de Jésus-Christ, ta vie va changer. Elle va changer. Les événements royaux vont commencer à venir vers toi. Et on va commencer à voir comment tu montes. Tu ne peux pas avoir l'onction si tu es petit. Ça t'enlève de la petitesse. Tu deviens quelqu'un de grand. Dans ta génération, tu laisses ton nom et ton nom devient grand parce que tu as l'onction de la royauté. Tu ne meurs plus dans l'anonymat. Tu laisses ton nom. Mes amis, qui veut mourir pour qu'on l'oublie? Qui? Hein? Pas moi dans tous les cas. Mon nom restera. Et mon nom survivra aux générations. C'est pour ça que je me bats, tant que c'est possible, à me perfectionner, connaître Dieu. Ce n'est pas facile, hein? C'est la guerre. Ce n'est pas facile du tout. T'adorer, c'est le désir de mon cœur. T'adorer, la passion de ma vie. Te servir, c'est le rêve de ma vie. Marcher pour toi, la passion de mon cœur. Regardez, je suis allé dans un magasin. On a fait les achats là-bas. Et puis, ils m'ont dit de choisir un cadeau. Et c'était, j'étais avec Armand. Et c'était les vins alcoolisés. C'était beau, hein? Quand j'ai regardé, j'ai vu l'alcool, j'ai dit, je ne prends pas ça. Et on m'a montré l'autre. J'ai dit, non, je ne peux pas. Ils m'ont demandé pourquoi. J'ai dit que je ne bois pas. Ils étaient étonnés.
Je pouvais prendre et boire. Tu vas me taper. Tu vas même d'abord savoir comment que j'ai pris. Mais je veux respecter les recommandations du Seigneur. Je vais me forcer. C'est beau, hein? C'était beau. Hein? C'était comme le bata. C'était blanc. Quand tu vois ça, tu veux. Mais je ne dis pas moi. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des choses que tu évalues un peu le bénéfice spirituel et la perte que tu auras après avoir fait ces choses. Après, tu dis, ça ne vaut pas la peine. Je préfère le gâteau de Dieu. Je préfère la royauté divine. Je préfère la royauté. Mes amis, si tu obéis à Christ, tu n'es plus n'importe qui. Je te dis la vérité. Tu n'es plus n'importe qui. Oui. Ôte de l'argent les scories. Et il en sortira un vase pour le fondeur. Tiens. Eh, vraiment. Vous connaissez les scories, n'est-ce pas? Njeke, non? Njeke? Vous connaissez Njeke? C'est que les voyants utilisent. Il est là. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Il dit que si tu trouves les scories là, et qu'à l'intérieur, tu trouves de l'argent, enlève cet argent-là. L'argent-là va faire un vase en argent. Ce qui a plus de prix que les scories. Parce que les scories n'ont aucune valeur. Mais si dedans, il y a l'argent, ça donne de la valeur. Ça veut dire quoi? Apprendre à séparer ce qui est vil de ce qui est précieux dans ta vie. Jette les scories de côté. Retire l'argent qui est dans les scories. Connais la différence entre l'argent et les scories dans ta vie. Tu réussiras. Ce qui tue beaucoup d'enfants de Dieu. Nous ne connaissons pas donner la valeur à ce qui est spirituel. Tu peux te laver 3 fois par jour, mais tu n'arrives pas à laver ton âme. Tu vas manger dans un plat propre, mais spirituellement, tu nourris pas bien ton âme. Tu ne fais pas attention à ce que... Tu ne dois pas regarder n'importe quoi. Un enfant de Dieu qui veut accéder à la royauté ne regarde plus tous les films. Il y a des films que je ne peux pas regarder parce que ça va salir ma conscience. Tout ce qui peut salir ton esprit, tu ne dois pas regarder ça. Parce que ça va... Écoutez, hein? Il est difficile d'amasser des trésors spirituels. Ça peut demander 5 ans, 10 ans pour atteindre une certaine stature spirituelle. Mais tu peux perdre ça en une seconde et perdre plus de 20 ans pour retrouver encore le même niveau. Donc il y a des positions spirituelles. Vaut mieux ne même pas prendre le risque de les perdre parce que tu risquerais ne plus jamais les retrouver. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui avaient des grands dons spirituels. Le péché a tout dévoré. Ils se battent aujourd'hui à retrouver les dons là. Ça fait des années et des années. Il n'y a pas. Vaut mieux prévenir que de guérir. Oui. Ôte le méchant de devant le roi. Ôte le méchant de devant le roi et son trône sera fermé par la justice. Et son trône s'affermira par la justice. Il dit, ôte le méchant. Ôte le méchant de devant le roi et son trône s'affermira par la justice. Lorsqu'il parle du roi, il parle de toi, il parle de moi. Ça dit quoi? Fais attention à tes relations. Fais attention à tes fréquentations. Sépare-toi de toutes les gens qui t'éloignent de Dieu. Et ton trône sera fermé. Et tu deviendras mieux l'homme ou la femme que Dieu veut que tu sois. Ça veut dire quoi? Il y a des personnes dans ta vie dont la présence t'empêchera d'atteindre l'affermissement de ton trône. Les gens, si je les dérange, le grand Caleb. Il y a des gens dans ta vie que s'ils ne sortent pas, tu n'atteindras pas la vitesse supersonique dans le règne spirituel. Tu n'atteindras pas les bénédictions qui sont réservées pour ta royauté. Tant que tu ne te sépares pas de ces gens. La Bible dit qu'il y a des personnes dont lorsque tu te sépares d'elles, ton trône est affermi par la justice. Il y a des relations qu'il faut sacrifier pour accéder à la royauté. Il y a des amitiés qu'il faut sacrifier
Même si tu gagnes combien dedans, même si tu avais quel avantage, je préfère être pauvre et accéder à la royauté divine que d'avoir l'argent donné par quelqu'un même. Vous-même, vous savez. Mes amis, vous devez développer ces principes dans votre vie. Vous vous souvenez de notre soeur, une soeur qui a donné la dîme de 10 millions ici. On a donné 10 millions. Mes amis, je devrais payer le satellite un an, 12 millions. C'était le mois où on devait payer le satellite. Donc quand j'ai lu le rapport, j'ai vu dîme, 10 millions. J'ai appelé la DGF, j'ai dit que tu voulais créer 1 million ou quoi? Ou 100 000. Elle a dit non, c'est 10 millions. Et je lui ai demandé, ok, apportez ça. Et elles ont même commencé à me faire des problèmes. Que non, c'est notre argent. La dîme, c'est pour l'église. Parce que je n'ai jamais touché aux dîmes de l'église. Oh. Jamais, je ne touche pas aux dîmes. Normalement, les dîmes, c'est pour moi. C'est pour le sacrificateur. En principe. Donc, elle dit que non, c'est notre caisse. J'ai dit, bon, pas de problème, restez donc avec. Vous allez payer le satellite et toutes les factures de l'église. Restez avec les 10 millions. Ça n'a pas fait 5 minutes, elle a porté les 10 millions. J'ai dit, vous ne demandez pas 5 francs. Si on veut vous aider, vous refusez. Que vos 10 millions, je me fais mon quoi avec. Donc, dans ma tête, c'est que Dieu m'avait exaucé. Il y avait 10 millions, j'allais juste ajouter 2 millions. Je règle la facture du satellite. Et je leur ai demandé, est-ce que vous avez appelé la personne? Oui. Ce qui m'a intrigué, c'est que la personne a donné un sujet de prière. Dedans, elle disait qu'il lui faut le travail. J'ai dit, ah, comment quelqu'un me paye la dîme de 10 millions et il veut le travail encore? J'ai dit, vous avez le numéro de la personne? J'ai dit, oui, c'est une dame. Ok, j'ai appelé la femme. J'ai dit, maman, vraiment merci, Dieu vous bénisse. Vraiment, cet argent, ça va nous aider. Les gens comme vous sont rares aujourd'hui. Il y a beaucoup, ils sont chiches à l'église. Ils ont les millions, ils ne donnent jamais ça à l'église. Exemple. Je ne t'ai pas cité. Oh. Et je lui ai demandé, l'argent là vient d'où? Et c'est là qu'elle me dit, je vous rappelle s'il vous plaît. Après 10 minutes, elle m'a rappelé. Et c'est où elle m'a expliqué. Et l'explication qu'elle m'avait donnée, l'argent n'était pas propre. Ça ne venait pas d'une bonne source. Et elle m'a dit qu'elle m'a donné 10 millions, elle a aussi donné pour son pasteur. Avec son frère, persévérait ici, il ne connaît même pas. Et donc, elle a donné 10 millions pour son pasteur. Son frère a dit que donne aussi pour mon pasteur aussi. Donc elle a aussi apporté ma part. Elle dit que son pasteur était même fâché, qu'ajoute-moi l'autre là, lui, il a prié sur toi, comment? Ajoute. Que viens avec l'argent, on va sanctifier ça, on va purifier ça. Je lui ai dit, si j'étais votre pasteur, je ne vous encouragerais pas à toucher l'argent. Parce que ce n'est pas bon. Donc je lui ai dit, il faut venir répondre. Moi, je ne peux pas. Mes principes spirituels et ma conscience ministérielle ne me permettent pas de toucher un argent comme ça. J'ai appelé papa mon coco. Je lui ai dit, va, quelle décharge qu'elle a repris son argent. On leur a remis leur argent. Maintenant, je vous pose une question. J'ai appelé un ami qui est procureur. Je lui ai demandé, je lui ai posé. Il m'a dit, ne pose pas les questions, mange, envoie ma part. Il m'a dit, il n'y a pas de recel dans l'argent. Je lui ai dit que non, mon frère, je ne peux pas, pardon. Quand tu seras pasteur, toi, tu vas manger. J'ai ramené. Pourquoi, mes amis? Parce que je préfère bien souffrir, trouver 10 millions justement, que de corrompre mon ministère et ma royauté et mettre une tâche sur ma relation avec Dieu et retarder mes accès spirituels de quelques années encore à cause de 10 millions. Bête, je meurs de faim. Mais Jésus est content de moi. S'il y a une chose que j'ai peur de ça dans ma vie, c'est que Jésus se fâche contre moi. Ça, j'ai peur de ça. Ça, je redoute ça. Mais le reste, je m'en fous. Ah, j'ai oublié. Je m'en fous éperdument. Et c'est ferami fili gerazo, zagurami garot, ina liwa ina ufila uzira minlo, asera milo. Gasara, esera mi filukei manraba na hotel, sera vominra ino kerosen. Je prophétise au nom de Jésus. La royauté descend sur ta vie ce matin. Dans le nom puissant de Jésus.
Mais le verset là, j'ai fini ma fille. Mais j'ai fini. Ne t'élève pas devant les rois et ne prends pas la place des grands. Asseyez-vous d'abord, asseyez-vous. On va prophétiser sur toi tout à l'heure. Il dit, ne t'élève pas devant le roi et ne prends pas la place des grands. Ça veut dire quoi? Dans le règne spirituel, il faut respecter chacun son rang. Ne t'élève pas contre quelqu'un qui manifeste une grâce que tu n'as pas. Honore-la plutôt. Respecte-la. Ne la combats pas. Parce que sinon, tu sortiras perdant. Si quelqu'un te dépasse dans le règne spirituel, respecte la personne, ne la méprise pas. Ne te lève pas devant les autorités de l'église. Hey! Garutate wa inna moradias, poradi wa inna gross in frozen, warabana utolai. Ne te lève pas devant les rois. Ceux que Dieu a établi comme roi dans l'église, ne les touche pas. Tu ne t'en sortiras pas. Don't do that. Si quelqu'un te dépasse dans le règne spirituel, honore la grâce de la personne. Ne combats jamais une grâce dans la vie de quelqu'un. Tu ne t'en sortiras pas. C'est une guerre que tu ne remporteras jamais. Ceux qui l'ont fait précédemment ne l'ont pas emporté. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Respecte les hiérarchies spirituelles. Et tu ne te lèves pas devant les rois. Et ne prends pas la place des grands. Quand tu n'es pas grand, tu ne t'en sortiras pas. Cette place sera ton tombeau. Ne juge pas ce que tu ne peux pas faire. Ne condamne pas ce que tu n'as pas. Il n'y a que quelqu'un qui a accès à un niveau pour faire le reproche à quelqu'un qui est dans ce niveau. Parce qu'ils se comprendront. Mais tu ne peux pas manger, te dépasse. Tu peux pas dire à un milliardaire comment il doit gérer ses milliards. Pourtant, même le bailleur, tu as peur de lui. Tu ne peux pas payer. Tu ne peux pas. C'est un peu comme un policier qui va dire à un médecin que le travail que tu fais, tu ne peux pas faire l'opération. Dommage, je vais opérer la personne. Il va tuer la personne. Ne prends pas la place des grands. Ne cherche pas à renverser quelqu'un parce qu'il te dépasse. Parce que tu veux prendre sa place. Parce que tu veux que sa renommée vienne sur toi. Tu vas mourir. Parce que ce n'est pas ta place. Tu n'as pas accès à cette place. Si tu y accèdes par la force, tu vas mourir par la force. Ne cherche pas à prendre la place des grands. Calme-toi. Cherche Dieu. Qu'il fasse de toi un grand. Alors tu t'assieras à cette place par l'Éternel. On n'accède pas à un statut spirituel supérieur par la force ou par des moyens charnels. C'est l'élection de Dieu. La Bible dit dans 2 Timothée 2,19, « Néanmoins, le solide fondement de Dieu demeure avec ses paroles qui lui servent de sceau et l'Éternel connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque invoque le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. » Il dit, « Et Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. » Tu ne deviens pas grand devant Dieu par tes moyens. C'est Dieu qui t'intronise. C'est Dieu qui te donne la grandeur. Si tu veux arracher par des moyens physiques, tu vas mourir. Ne prends pas la place des grands. Jusqu'à ce que tu sois grand. Oui. Ne t'élève pas devant les rois et ne prends pas la place des grands. Oui. Verset 7. Car il vaut mieux qu'on te dise, monte, que si l'on t'abaisse devant les princes que tes yeux voient. Dans le passage d'Apocalypse, l'apôtre Jean dira, et j'entendis une voix qui me dit, Anaba, monte. Il dit quoi? Il dit, ne cherche pas à renverser un roi, un grand, jusqu'à ce que tu entendes toi-même Dieu te dit, monte. Ça veut dire quoi? Attends ta saison d'élévation. Ne cherche pas à t'élever toi-même. Ne cherche pas à t'élever par la calomnie. Ne cherche pas à t'élever par la méchanceté. Ne cherche pas à t'élever par la médisance en sabotant les autres parce que tu veux avoir une place d'honneur. Il dit non, ne le fais pas. Parce que si tu le fais, tu seras rabaissé devant la personne que tu as voulu rabaisser. Au lieu de l'élévation, tu auras plutôt l'humiliation. Il dit mais reste tranquille.
jusqu'à ce que celui qui élève te dise, monte ici. Là, ce n'est pas un homme qui t'a fait monter. C'est celui qui élève et qui peut renverser. Que Dieu te bénisse. Mets-toi debout, on va prier. Et sera mi maloudei. Et sera mi maloulola. Et sera mi maloudei. Et se fera mo. Asura mi malo. Ne cherche jamais à combattre quelqu'un que Dieu a élevé. Et sera mi mourabino del barazo. Que sera mi murabana ou el folazo, et nous raïa fili malo. Dis mon père, tout obstacle à mon élévation, je le renverse ce matin. Tout obstacle dans ma vie, dans mon caractère, dans mon comportement, dans mes pensées, dans mes paroles. Je renverse, je renverse, je renverse, je renverse. Ouvre la bouche et commence à prier. Et tu es la voix. Et tu es la voix. Et tu es la voix. Et tu es faroumélo. Surami malo. Enaro fili murabana o quel forazo Enurai fili malule igalo Enaloke murai fil sarabo Enurai fili maule zo Père, tout caractère, tout comportement Seigneur qui s'oppose à mon élévation Ce matin je renverse, je brise tout caractère à moi Seigneur qui s'oppose mon élévation, à ma royauté. Oh Père, sépare-moi de tout mauvais caractère, quel que soit, Seigneur, ce qui est à moi dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme, dans mes pensées. Qui hey! Est loin? Hey! Que l'autre moule aille! Et c'est la voix. Fera mi morapino que lo fra Etonai waina ubil moraso Que saravo Garo mi norapino selo Etonai a norabano Jésus, on a prié. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Bien-aimé, la honte doit s'arrêter. L'apôtre Pierre a dit, assez, c'est assez. Nous sommes fatigués de l'humiliation. Je vais accéder à la royauté divine. Dis Seigneur, je veux accéder à la royauté divine. Je veux accéder, Seigneur. Fais-moi accéder à cette royauté. Tends ta main vers moi. Dis mon Père, oh Dieu, tout obstacle que le diable a établi devant ma vie pour que je n'accède pas à la royauté divine, je le renverse, je le renverse. Satan, que le Seigneur te réprime, que le Seigneur te réprime, que le Seigneur te réprime. Ouvre la bouche et prie à votre autorité. Tout obstacle, Seigneur, que le diable a dressé, Seigneur, devant moi, pour m'empêcher d'accéder, Seigneur, pour rentrer dans la royauté divine. Seigneur, ce matin, Seigneur, je renverse cet obstacle.
Seigneur, je me sépare de cet obstacle. Seigneur, je détruis cet obstacle. Mon Père, Seigneur, manifeste sa puissance dans ma vie. Seigneur, quelles que soient les barrières que le diable a érigées, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, dans mon ministère, dans ma vie, Seigneur, pour m'empêcher, Seigneur, d'entrer dans cette royauté. Oh Dieu, que ces barrières tombent, que ces barrières tombent, que ces barrières soient renversées. Saute ma tête, Père. Seigneur, libère-moi de toute forteresse. Seigneur, que le diable a élevé, Seigneur, pour m'empêcher de rester, Seigneur, de faire des espoirs. Oh Dieu, Seigneur, détruis ces barrières. Et tes pharaons seront. Et je farò, sagure un stravo, ferò, dal ferro, a tona, sere, uspera, azure, pensera mi more. Jésus-Christ, on a prié. Amen. Dis mon Père, mon Père, toute barrière spirituelle. Vous savez, l'une des caractéristiques de l'église ici, c'est la prière. We are prayer warriors. Nous sommes des guerriers de prière. Dis mon Père, toute barrière invisible devant ma vie, je la renverse. 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 Toute barrière de pauvreté. Toute barrière de maladie. Toute barrière de célibat. Toute barrière de sorcellerie. Toute barrière de malédiction. Toute barrière d'envoûtement. Toute barrière de tête. Je la brise. Je la brise. Je la brise. Je la brise. Ouvre la bouche et commence à briser. Père, ce matin, je renverse toute barrière. Seigneur, de pauvreté, de célibat, de maladie, de mort précoce. Oh Père, renverse ces barrières. Détruis ces barrières. Et c'est la voix à ton âme. Serré, prospéra, gazoré. Donc sera mémoire et votre âme.
Au nom de Jésus, on a prié. Qui a un rapport avec quelque chose comme Minda? Minda. Qui a un rapport avec quelque chose comme ça? Minda. 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 C'est comme un endroit, je ne sais pas. Qui a un rapport avec ça? Quelque chose comme Minda. 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 Minda, Minda, c'est quoi? Si vous connaissez ça, s'il vous plaît, venez. Minda, est-ce qu'il y a un endroit comme ça? Minda, c'est quoi? Son village, ça s'appelle comment? Hein? Hein? Minda. Oui, papa. D'accord. Il y a qui aussi qui est de ce village? Qui est de Minda? Hein? Minda, c'était ma camarade au lycée. Non, non, c'est un endroit, mais restez. Minda, c'est... Le village de ma mère. Votre mère, Minda. C'est où, Minda? Nangaiboko. Hein? Après Nangaiboko. Après Nangaiboko. Il y a quelque chose en rapport avec Efula. Efula. Ou c'est Efula. 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 Qu'ils viennent, qu'ils viennent. Qui vient pour la prophétie? Et Efula, Efula. Efula, c'est quoi? Hein? Pas Efila, Efula, Efula. Ok, je vais aider les gens. Minda, vous connaissez? Vous connaissez? Hein? Nous sommes tous de la Haute-Sanaga. Est-ce que vous connaissez? Vous vous fréquentez? Trop, vous vous fréquentez ici à l'église. Les gens de Minda sont finis. Hein? Hein? C'est? Venez un peu. La 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 la. Non, votre camarade là c'était Minda. Hein? Oui, c'était Minda, papa. Hein? C'était Minda. Minda? Oui, Minda. Venez, vous. Vous aurez l'apéritif prophétique. Mettez-vous ici. Ayumera. Et sera votre thème. Demain. Ayumé. Asura me sévaro. Comme ça. Comme ça. C'est votre village. Il y a qui aussi qui est de ce village ici?
C'est tout? Hein? Est-ce qu'il y a des gens qui sont de ce village aussi, de Minta? Vous êtes de Minta? Hein? Oh. Venez ici. On va prier pour leur village, que leur village soit délivré. Mettez-vous comme ça. Est-ce qu'il y a un endroit comme Efoula, ou c'est Efoulan, ou c'est Efoulan, ou c'est Efoulan? Est-ce qu'il y a un village comme ça? Hein? C'est un village. Ça s'appelle comment? Hein? Efoula. Venez. Efoula. Tout ce que j'ai dit là, ça, j'ai reçu ça ici pendant que je priais. C'est ça que j'ai écrit ici. Pendant qu'on adorait. Bon, maintenant, j'ai déjà prophétisé sur vous la main là. J'ai déjà parlé sur vous. Non. J'ai jamais parlé sur vous. Jamais. Hein? Jamais. Et Foula, c'est où? C'est de chez moi. C'est où? C'est situé c'est où? À Nanga. Hein? À Nanga. C'est à Nanga. Oui, après un côté. Après un côté? Oui. Ok. Yes. Oui. Vous voyez, mettez-vous bien comme ça. Non, non, non. En face, en face. Il y a qui de Foula ici aussi? C'est tout? On veut prier pour ce village. Vous êtes de ce village, venez. Laissez-moi prier pour bénir vos villages ce matin. Ton village doit être béni au nom de Jésus. Et Foula aussi? C'est Foula? Vous êtes de Foula? Et Foula? Et Foula? C'est son village ici? Et Foula? Elle, c'est Efoula, pas Efoulan. Vous attendez pour Efoulan un jour. Dis Seigneur, tout voleur de gloire dans mon village, qu'il soit déraciné dans le nom souverain de Jésus. Maman, est-ce que je peux vous parler? Est-ce que vous êtes prête? Oui, papa. Vous êtes prête? Oui. Ok. Vous avez suivi un nom comme Abomo. Oui. C'est qui? C'est l'oncle maternel à ma maman, sa fille. Sa fille? Oui. Elle s'appelle Abomo. Mm-hmm. Abomo Barbare. Elle est où? Elle est au village. Je vous dis quelque chose dans votre village. Dans votre village, j'ai vu d'abord votre maison familiale. Hein? Oui. J'ai vu votre maison familiale. Mm-hmm. À l'époque, oui. On préparait dehors. Mm-hmm. À l'époque, il y avait une cuisine dehors. Ce n'était même pas la cuisine. Mm-hmm. C'était les pierres qu'on avait mises. Trois pierres avec le bois. Et c'est sur cette marmite, on met les marmites dessus pour préparer. C'était devant la maison. C'est après qu'on a construit une petite cuisine à l'extérieur. Regardez, votre village, vous avez besoin. Vous avez besoin de délivrance. Frère, papa, votre famille, frère, papa, est attachée. Je vais vous expliquer quelque chose que vous ne connaissez pas. Dans votre village, il y a eu tellement de pratiques de sorcellerie. Grave. Et votre famille a une proximité avec la chefferie. Oui. Il y a des notables dans votre famille. Oui. Il y a des conseillers du roi dans votre famille. Et j'ai vu quelqu'un dans votre famille, l'un de vos principaux grands-parents, qu'on appelle comme Kuma, Nkuma. Qui est mort aujourd'hui? Oui, il est déjà mort. Il est mort. Mm-hmm. Ça fait longtemps. Longtemps. Je ne l'ai même pas connu. Vous ne l'avez pas connu. Mais on vous a dit que c'était un grand guérisseur. Oui. C'était un notable d'abord. Mm-hmm. Et c'était un grand guérisseur. Mm-hmm. C'est un grand marabout. Oui. Les gens venaient de partout à Efoula pour le consulter. Oui. Lui là, il n'a eu qu'une seule enfant. Mm-hmm. Il a eu un seul enfant. Oui. Une fille, maman Nicole, qui est aussi morte déjà. Oui.
votre grand-père-ci, il a fait des malédictions sur le village de Fola. Parce qu'il avait été accusé. On l'avait amené devant le roi à l'époque. On a dit qu'il a couché avec la femme d'un autre notable. Et il avait dit qu'il est innocent. Mais on a dit non. On l'a accusé. Et on l'a chassé du village. Il est allé habiter dans un autre village à côté de Fola. Il allait habiter dans un autre village. Il a quitté. Hein? Il est parti dans un autre village. J'entends comme Accor, ou c'est Accor, quelque chose comme ça. Pas loin de Fola. Il s'est établi là-bas. Avant de partir, il a maudit le village. Il a ruiné, entré dans votre village. Non seulement qu'il a maudit le village, mais il a fait des pratiques contre votre famille pour avoir les pouvoirs. Contre les filles surtout. Et les femmes dans votre village ont un problème. La vie sentimentale des femmes de Fola, c'est un problème. Les filles de Fola pleurent. Vérité, papa. Elles ne sont pas respectées ni honorées par Vérité. Les hommes. Vérité. Mais aujourd'hui, cette malédiction, elle sera brisée parce que la royauté Amen. Doit entrer sur vous et sur votre village. Amen, je brise Amen. Au nom de Jésus. Toute personne qui a maudit la royauté dans ta famille, sa malédiction retourne sur elle-même. Je brise la malédiction de vos villages. Je brise la malédiction de la maison de ton père. Je brise la malédiction de la maison de ta mère. Et tu établis roi. Tu établis reine. Au nom de Jésus de Nazareth. Celui qui dit Amen, la royauté le localise ce matin. Maman, regardez. Dieu va vous bénir. Amen. Vous savez, le diable a voulu vous tuer plusieurs fois. Plusieurs fois. Le même. Diable a voulu vous tuer plusieurs fois. Oui, papa. Je vous ai dit, vous avez fait un accident un temps. Jusqu'à vous ne marchez même pas, vous boitiez. Mm-hmm. Vous avez fait un accident. Mm-hmm. C'est quoi, tu la connais? Vous avez fait un accident il y a cela quelques temps. Mm-hmm. Vous avez fait mal au pied. Oui. Vous avez boité pendant plusieurs mois. Jusqu'à présent, le pied fait mal. Je vous dis quelque chose. Le diable a cherché à vous faire du mal. Pourquoi? Parce que vous priez beaucoup. Et vous ne priez pas maintenant. Depuis votre enfance, vous croyez en Dieu. Je vous ai vu grandir avec une tante qu'on appelle Maman Pauline, qui vous a éduqué. Quand vous étiez encore une jeune fille, elle vous a... Les principes de bonne femme que vous avez, c'est votre tante qui vous a donné ça. C'est Maman Pauline qui vous a enseigné ça. Et depuis que vous étiez avec elle, elle vous a enseigné les voies de Dieu. Elle vous disait toujours, il faut aimer Dieu. Il ne faut pas abandonner Dieu. Il faut servir le Seigneur. Et vous avez grandi même avant de connaître le Seigneur. Tout ce que vous faisiez, vous priez d'abord. Ce que j'ai dit, c'est ça. C'est vrai, papa. Maintenant, regardez. À cause de vous, ici, nous allons prier. Et Fola, tous ceux qui me suivent, qui sont du village et Fola. Aujourd'hui, le salut entre dans votre village au nom de Jésus. Maman, regardez. Regardez. Et c'est Ferramelo. Dans votre village, Dieu m'a amené ici, dans la chefferie. Et dans la chefferie, vous connaissez un peu la chefferie de Fola? Vous connaissez un peu? Non, la chefferie n'était pas en Fola même. La chefferie est à Ouassa. Oui, est-ce que vous la connaissez un peu? Mm-hmm. Vous la connaissez un peu? Oui, je la connais. Vous connaissez un peu les gens de là-bas? Mm-hmm. Les anciens. Maintenant, le nouveau là, ce n'est que les jeunes qui sont là-bas. D'accord. Je vais vous montrer quelque chose. À l'époque, dans la chefferie, il y a eu un monsieur, un papa qui était un notable là-bas à Ifula, à qui vous devez le salut de votre village. C'est quelqu'un qui cherchait Dieu et qui a fait des alliances avec Dieu dans le secret pour la délivrance de votre famille parce qu'il savait que votre oncle, votre grand-père avait maudit le village. Et donc,
ce notable là qu'on appelait papa Vincent, papa Mbami Vincent, qui était l'un des principaux notables du chef, il allait en brousse et il a pris un mouton et il a dit à Dieu, il a fait une prière à Dieu, il a dit que Dieu qui a créé tout, Dieu qui a créé le ciel, qui a créé la terre, c'est toi que je prie. Je ne parle pas à mes ancêtres, je ne parle pas aux esprits de la forêt, je parle à Dieu qui a tout formé. Seigneur, que la malédiction qui a été faite sur mon village soit brisée, je te sacrifie le mouton-ci. Et l'Éternel a agréé sa prière. Amen. Amen. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez prendre l'huile de faveur. Quand vous irez au village, à l'entrée de votre village, aspergez l'huile. Vous comprenez? Vous aspergez l'huile de faveur à l'entrée de votre village. Vous dites, Seigneur, merci parce que mon village est délivré aujourd'hui. Et vous verrez ce qui va se passer. Après ça, il y aura des mariages dans votre village, des gens qui vont commencer à devenir grands. Les sorciers vont perdre autorité sur votre village. Et puis le village deviendra prospère par la parole de l'Éternel. Amen. Vous êtes guéri au nom souverain de Jésus-Christ. Vous êtes guéri. Regardez cette maman. C'est une grande femme. Et Dieu l'a bénie pour cela. Amen. Maman, vous êtes une femme. J'ai vu le film de votre jeunesse, de votre enfance. Je vous ai vu toute petite au village à l'époque. Toute petite. Papa sortant vendre. Et parfois, quand il y avait les étrangers à la maison, on vous envoyait acheter la boisson dans le bar qui était à côté de votre maison, chez papa Ambroise. Il y avait un vieux bar à l'époque. Ambroise Bar, chez papa Ambroise. Vous allez souvent acheter le vin là-bas. Vous avez grandi le cœur pur devant Dieu. Un temps, on a failli même vous violer. Il y a un prêtre qui voulait vous violer, oui, qu'on appelait Sango. Vérité. C'est Dieu qui vous a délivré. Amen. C'est Dieu qui vous avait délivré de sa main. Maintenant, écoutez, le Seigneur m'a dit que par vous, à cause de vous, le Seigneur délivre votre village. Amen. Allez faire ce que j'ai dit là. Vous allez voir, vous êtes guéri au nom de Jésus. Votre village est délivré. Lève ta main. Dis, mon Père, que ta gloire vienne sur ma vie. Au nom souverain de Jésus-Christ. C'est quel pays? Vous voulez voyager? Hein? Pour où? Au Canada. Vous allez demander le visa? Oui, j'ai à déposer. Ah? J'ai à déposer, papa. Touchez, mettez la main. Père, au nom souverain de Jésus, ta grâce dans sa vie, au nom puissant de Jésus. Receive the grace. Go. Amen. Dis, j'ai besoin de toi, Jésus. Et sera Saro Féro. Sarumi, Rami Morai, Sera. C'est pour le concours. Quel concours? D'intégration. Intégration où? En santé. Ah? En santé. Tenez. Au nom de Jésus. Ta grâce au nom de Jésus. C'est qui pour vous? C'est votre fille. Son père est où? Il est mort. Il est mort. La condoléance. La condoléance. Père, je prie au nom de Jésus que ta main intervienne dans cette famille. Que la honte change de camp. Que la honte change de camp. Dans le nom souverain de Jésus. Amen. Maman, regardez. Est-ce que vous croyez que si je prie, la gloire que vous avez manquée sera donnée à vos enfants? Oui, est-ce que je peux prier ça? Oui,
papa. Est-ce que ce n'est pas la prière de tous parents? Seigneur, quelle la gloire que je n'ai pas eue descende sur mes enfants. Comme je prie, ne pleurez pas, ne pleurez pas. Ces enfants, si je prie, que la honte ne vienne jamais sur leur vie. Hein? Amen, papa. Je peux prier comme ça? Oui, papa. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Oui. On peut prier? Oui, papa. Père, au nom souverain de Jésus, nous demandons ta grâce. Demandons ta grâce dans le nom de Jésus. Qui a rapport que je suis comme étalé? J'entends que je suis comme étalé. Étalé. Étalé, étalé. C'est quoi ça? Étalé. C'est quoi étalé? Qui a rapport avec étalé? Étalé. Père, au nom de Jésus-Christ, ta grâce. Étalé, oh non, non. Étalé, c'est quoi? Étalé. Hein? Pas possible. Étalé, étalé, E-T-E-L-E. Étalé. Hein? Père, au nom de Jésus, ta grâce. Ta grâce. Au nom de Jésus. Regardez, maman. La femme, est-ce que votre cœur est pour la prophétie? Elle n'a oui, même papa. Pas oui, mon temps passé. Je vous oui, parle, papa. Vous me regardez. Oui, papa. Vous regardez amen. Loin, vous n'avez même pas mon temps. Hein? Je suis pour la prophétie, papa. Vous êtes pour la prophétie? Oui, papa. Vous êtes sûr que vous êtes oui, pour papa, la prophétie? Je suis sûr. Je suis sûr, papa. Vous êtes pour la prophétie? Oui, papa. Ok. Je vais prier pour eux pour le mariage. Oui, papa, merci, papa. Elle veut se marier? Oui, papa. Elle veut prier pour elle? Oui. Parlez, non, maman? Oui, papa. Qu'est-ce qui vous arrive? On veut prier? Oui, papa. Elle ne voit pas? D'accord. Regardez, je vais prier pour vous, pour le mariage. Parce que votre mariage n'a pas été un succès. Oui, papa. Vous, vraiment, papa. Votre mariage n'a pas été un succès. J'ai trop souffert, papa. Et l'homme que vous avez épousé, ce n'est pas lui que vous devrez épouser. Oui, papa, c'est vrai. Il y a un jeune homme qu'on appelait Richard, quand j'étais jeune, que vous avez aimé, avant celui qui est mort là. Il m'a trop persécuté, papa. Trop, trop persécuté. Maintenant, je prie que vos enfants ne souffrent pas ce que vous avez eu à souffrir. Oui, papa. Dans le nom souverain de Jésus. Amen, papa. C'est accompli. Lève ta main. Dis mon Père, mon Jésus. Amen. J'ai besoin de toi. Besoin. C'est qui ça? C'est votre fils? Il est où? À Marseille. Hein? Il est? À Marseille. À Marseille. Oui. Il joue au football. Oui. C'est votre fils? Mon petit-fils. Ok, vous voulez quoi pour lui? La bénédiction, papa. Père, je le bénis au nom souverain de Jésus. Amen. Que sa carrière footballistique prospère au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tenez. Amen. Qui m'a déjà vu lui donner un message dans un rêve? Qui? Étalé, c'est qui? Qui a un rapport avec étalé? Et comme étalé. Étalé. Hein? Le professeur de ma fille. On l'appelle comment? Monsieur étalé. Étalé. Hein? Étalé. Votre fille là est où? Elle est à la maison, elle suivait même en direct, même son professeur. Et son professeur l'a dit quoi? Son professeur, elle est à Maziadon, je ne sais pas. Parce hein? Je connais que l'enfant disait que son professeur c'est Mr. Otele. Etele. Et que Mr. Etele dit quoi? Son nom. Donc je ne sais pas. Demandez-lui que j'ai demandé qu'Etele dit quoi? Demandez-lui, la dame est où? Vous demandez. Vous allez demander à votre fille que j'ai demandé que Étalé c'est quoi? Oui. Que Étalé dit quoi? Oui. Elle va me dire tout à l'heure. Hein? Oui. Elle vient de me dire. Où vous sortez? Appelez-la. Appelez-la, vous me la passez. Appelez-la. Quand vous ne voulez pas parler, je vais parler avec elle. Dis mon Père et mon Jésus. Qui m'a déjà vu en vision ici? Hein? Qui m'a vu en vision? Qui m'a vu en vision? Et c'est sur place. Il y a quoi? On va vous opérer ici là deux fois, mais le plus de fait que sorti, la plaie ne finit pas. Et ça fait mal ici là partout. C'était l'opération, pourquoi? C'était l'opération. Il y avait une bosse qui était sortie au niveau de la cuisse. Oui. On a opéré pour la première fois. On a dit que la bosse était quoi? Il y a, et le médecin n'avait rien dit. Donc, il a. Le pus sortait et sur le pus là, il y avait le sang coagulé.
Après, c'est parti et il y a un petit trou qui est resté comme ça là. Et le pus ne fait que sortir jusqu'à aujourd'hui et le pus ne guérit pas. D'accord, je vais prier. Restez où il y a le malade, j'arrive. Papa. Qui m'a vu en vision? Qui m'a vu en vision lui donner un message, me révéler quelque chose? Who saw me in vision? Who saw me? Même les malades, vous m'avez vu en vision? Hein? Dis-lui, donne le micro. Vous avez vu quoi? Je vous ai vu en état de prier en famille avec mes voisins. Oui. Oui, je vous écoute. J'ai prié avec mes voisins. Bon, quand j'ai ma voisine là, son chien a commencé à me menacer. Après, sa soeur dit que. Attends, notre prophète va venir là maintenant. On va appeler le prophète. Quand il va venir prier sur vous, vous allez sortir d'ici là. Quand ils ont commencé à prier, je me suis réveillée en sursaut. Vous m'avez vu, je faisais quoi dans le rêve? Vous étiez en train de prier. Quand vous êtes arrivé, vous avez commencé à prier sur nous. Levez-vous. Vous avez quel problème? Madame, faites vite. Il y a un Laurent. J'ai le nerf qui me dérange. Oui. J'ai une masse au niveau de la poitrine là. Oui. Ça, c'est une masse de tresse. Oui. Donc ça me, dans la nuit, j'étouffe souvent. Et parfois, dans la nuit, je sens comme il y a aussi la sinusite. Vous croyez que si je prie, vous allez être guéri maintenant? Oui, papa. Vous allez courir? Oui, papa. Vous m'avez vu prier en rêve, maintenant je vais prier en direct sur vous. Oui, papa. Et c'est l'église ici avec moi ce matin. Amen. Père, au nom de Jésus de Nazareth, j'ordonne la vie, la santé. Toutes ces maladies, je les mélange et je les chasse de ce corps. Go! In Jesus' name. Au nom souverain de Jésus. Père, je commande la guérison au nom de Jésus. Lève-vous. Allez comme ça, courez. Faites le mouvement que vous ne faisiez pas. Quelqu'un n'acclame pas Jésus. Zaratawa inna baroki in sala. Fais le mouvement que vous ne faisiez pas. L'Éternel est Dieu. L'écran je suis. Les rochers des âges. Oh, oh. Et qu'est-ce que ça vous fait de voir un miracle instantané? Ça vous fait quoi? Ça me fait du bien. Depuis le 2 juillet, papa, quand je suis arrivée au palais, c'est là où j'ai commencé à venir ici. Depuis le 2 juillet. Maintenant, qu'est-ce que vous promettez à Jésus qui vous a guéri? Je promets à Jésus que je serai toujours dans sa présence et je vais toujours le suivre. Allez raconter à votre famille qu'est-ce que le Seigneur qui vous a guéri. Amen. Papa. Au nom de Jésus. Madame, je vois qu'elle portait une grossesse de plus de 8 mois qui a disparu. Hein? C'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous êtes mariée? Hein? Je viens depuis la Guinée équatoriale. Venez. Vous me voyez sur TikTok. Maintenant, vous me voyez en direct. Donne-moi la main. Qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'il me fasse accoucher. Je veux coucher. Maman, attendez. La première chose que vous devez me demander, c'est le mariage, pas d'accoucher d'abord. Le mariage. Ou vous ne voulez pas vous marier, vous voulez avoir les enfants dehors. Vous voulez voir les enfants hors mariage. Maman, ouais, arrêtez de pleurer. Vous ne voulez pas vous marier. Vous ne voulez pas avoir des enfants légitimes. Je veux me marier. Je veux me marier, je veux avoir des enfants légitimes. Ah. Père, au nom souverain de Jésus, que ta grâce soit sur elle ce matin. Au nom souverain de Jésus-Christ, que la grâce de se marier, que ses entrailles soient bénies au nom de Jésus. Mettez la main au ventre. Père, au nom souverain de Jésus,
Je prophétise que de ce ventre sortiront des princes et des princesses. Et du ventre de toute femme stérile qui me suit ce matin, sortiront des princes et des princesses. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Après ça, j'ai prié pour vous que Dieu vous donne un mari. Vous comprenez? Menez une vie correcte. Menez une vie correcte. Ta puissance est là. Et ta main me touche. Et ta main me touche. Et ta main me touche. Ta puissance est là. Ta main me touche. J'ai mis la main sur Elsa. Vous êtes célibataire. Oui. Votre problème, c'est le célibat et le manque de spermatozoïdes, c'est ça? Oui. Tenez. Avec toutes les femmes là, vous êtes célibataire comment? Non, 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 expliquez-moi ça. Je veux comprendre, j'arrive pas à comprendre. Avec toutes les femmes qu'il y a dehors, dedans, vous êtes célibataire. La femme parle. Je trouve une femme, elle ne veut pas rester avec moi. Hein? Je trouve une femme, elle ne peut pas supporter de vivre avec moi. Elle part. Mon papa, mon choix, vous me menacez. Vous êtes célibataire comment? Je suis célibataire. Regardez les femmes qu'il y a partout. Qui cherchent le mari. Vous venez écrire sur le papier célibataire. Vous êtes célibataire comment? Pourquoi? Je suis célibataire parce que je n'ai pas une femme. Vous n'avez pas une femme? Pour se marier. Hein? Pour se marier. Et pourquoi on n'a pas une femme pour se marier? Regardez les femmes. Hein? Monsieur, parlez-moi. Je vous dis la vérité qu'il me faut une femme pour me marier à l'église. Donc vous cherchez une femme? Vraiment, franchement. Hein? C'est vrai, oui. Et si vous êtes un bon homme? Oui. Et si vous êtes sérieux? Très sérieusement. Vous êtes très sérieux. Hein? Très, très sérieux. Ok. J'ai besoin de toi, Père. Je vais vous dire pourquoi vous êtes encore célibataire. De toi, Père. J'ai besoin de toi. Je lui demande pourquoi il est célibataire. Il dit que parce qu'il n'a pas trouvé la femme. Je vais vous dire une chose. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi. Vous me connaissez quelque part? Non. Est-ce que vous me connaissez? Non. On a déjà causé? Non. Ok. Je vous ai demandé si vous êtes sérieux. Vous m'avez dit que vous êtes sérieux. Oui. Ok. Ok. Je peux vous parler. Je parle ou je ne parle pas? Parlez si vous voulez. D'accord. Regardez. C'est votre première fois de venir ici? C'est ma première fois. La première fois. Qui vous a invité? C'est qui pour vous? C'est une amie. C'est une amie, hein? Oui. C'est qui pour vous, maman? C'est un ami. Un ami. Hey. Ah, l'amitié. Les amis. Ça va? Vous faites quoi dans la vie? Dans le commerce. Non, c'est mon fils. Attendez, je ne peux pas parler avec nos amis là d'abord. Les amis. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous êtes sorti avec des femmes qui pratiquaient la sorcellerie sans savoir. Vous dites, vous êtes sérieux? Joseph avait beaucoup de femmes. Elle avait telle, divorce, séparation, après telle, séparation, avec telle, séparation, avec telle, séparation. Vous avez deux problèmes dans votre vie qui vous ont appauvri. Il y a les femmes et la boisson. Et la boisson, c'est une malédiction qu'on a proclamée sur vous. Aujourd'hui même, c'est en train de diminuer. Vous êtes en train de vous retrouver. Mais vous avez été esclaves de la boisson. Et ça, c'était une malédiction qu'on a lancée sur vous. Pour que vous ne soyez rien. Et je vais vous dire quelque chose. Quand vous étiez un jeune garçon, dans votre vie, il y a des femmes qui ont
jurez que vous n'allez pas vous marier, que vous n'aurez pas d'enfants. C'est ça que vos spermatozoïdes sont attaqués. Regardez, vous avez commis des erreurs dans votre vie. Je prie que Dieu vous pardonne vos erreurs. Vous me suivez? C'est Je vrai. Prie que Dieu vous pardonne ces erreurs-là. Il y a trop de choses que vous avez faites. Vous aviez un ami qu'on appelait Georges. J'avais un ami à vous qu'on appelait Georges. Un ami de jeunesse. Et vous avez eu un problème avec lui. Un problème par rapport à sa copine. C'est vrai. J'avais eu un sérieux problème avec sa copine qu'on appelait Nina. On allait vous accuser chez lui et c'était vrai. Vous avez touché sa copine. C'était vrai. C'est vrai. Il s'est fâché contre vous. Il a dit qu'il ne peut pas laisser ça. Il a dit que pas mon ami intime. Il ne peut pas me faire ça. Et il a pris votre nom, il a laissé un marabout avec pour vous maudire. Et quand vous grandissiez, quand vous commencez à connaître les femmes, vous avez connu une femme qu'on appelait Hélène. Vous sortiez avec une jeune fille qu'on appelait Hélène. Et c'était même votre grande soeur en âge. Oui, 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 oui. C'est vrai. C'était une sorcière. À chaque fois que vous avez des rapports sexuels, elle récupérait votre sperme pour aller faire des pratiques de sorcellerie avec. Et si vous vous souvenez, quand vous étiez avec Hélène, vous avez commencé à remarquer, Garotawa inna bromitan, que vous avez commencé à avoir des faiblesses sexuelles. Parfois, quand elle venait chez vous, vous n'arrivez même pas à vous mettre en érection. Ça prenait le temps. Ça devenait de plus en plus difficile. Et parfois, vous avez l'éjaculation précoce. Oui. Parfois, vous demandez que, mais pourquoi tu fais ça? Et vous-même, vous demandez que je ne comprends pas, c'est avec toi que ça a commencé. Avant moi, je n'avais pas tous ces problèmes. C'est depuis que j'étais connu que ça a commencé. À l'époque, vous avez un ami qu'on appelait Aristide. Aimé. Qui avait un bar. Aristide Aimé, Aristide Aimé. Yes. C'est quoi? Vous êtes étonné? Vous êtes étonné? Il y a de quoi? Il y a de quoi, d'accord. C'est vrai qu'il y a de quoi. Dis-le bienvenue sur la terre des prophètes. Bienvenue sur la terre des prophètes. Merci, merci. Il me souhaite aussi la bienvenue. Nous sommes sur la terre des prophètes. Est-ce qu'il y a un fils de prophète ici ce matin? Est-ce qu'il y a une fille de prophète ici ce matin? Est-ce qu'il y a un fils de prophète en direct ce matin? Est-ce qu'il y a une fille de prophète en direct ce matin? J'appelle la gloire royale sur ta vie. 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 Vous voyez, le Seigneur m'a dit de prier pour vos péchés, pour qu'il pardonne les péchés de votre jeunesse. Le roi David a dit, pardonne les péchés de ma jeunesse. Pardonne les péchés de ma jeunesse. Vous voyez, et dans toutes ces erreurs que le Seigneur m'a montrées, je vous ai vu habiter à l'époque un camp. Vous habitiez un camp. Et vous aviez un voisin musulman. Il y avait un voisin à vous, c'était un jeune musulman avec sa femme. Chaque matin, on sortait, bonjour voisin. Et lui disait, ah bonjour, c'est comment? Et voici, ah, c'est comment? Bonjour. Le soir, bonsoir voisine. Et elle s'est dit, bonsoir voisin. Et j'étais un jeune couple, Mustapha. Et vous avez commencé comme une amitié avec lui. Vous avez commencé à sympathiser avec lui. Après, vous avez commencé à sympathiser aussi avec sa femme, qu'on appelait Aminatou. C'est vrai. Après, un jour, il avait voyagé. Vous êtes allé lui rendre visite. Et Aminatou vous a plu. Et vous êtes retrouvé encore sur elle, dans sa maison. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je lui ai demandé s'il est sérieux. Il a dit qu'il est sérieux. C'est ça, non? Ok. Maintenant, regardez. Je ne vous juge pas, je ne vous condamne pas. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit de prier pour vous, pour que vos péchés soient pardonnés.
Amen. Si on prie cette prière avec vous, vous allez vous rendre compte que après le culte, en rentrant chez vous, votre pantalon va commencer à bouger. Le matin, c'est... Zainaw Dallas, l'église ici n'est pas prête pour un miracle. Yesera mi valusra seri gasura mi filu galoxri Yesera mi murabino galfera gusura mi filu galoxri Yesera mi filu garasera. Ayumelo sura mi murabana gelo sera etonani fili galo sere ayude la me sura mi murabino telo sera e sera me valo sera gak sura mi fili malotei. Donne-lui le micro. Dans le règne de l'esprit, dans les visions de l'esprit, je vous ai vu. Et je vous ai vu avec une jeune femme avec qui vous étiez, qu'on appelait Nicole. Et vous vous êtes séparés. Elle vous a quitté, elle est partie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Nicole. Nicole. Vous connaissez Nicole? Vous la connaissez? Non, 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 non. Ça a commencé à côté. Quand vous étiez avec Nicole, vous aviez une culotte, un bermuda blanc que vous aviez acheté, que vous aimez beaucoup. On avait écrit sur ça ici Adidas. Adidas, ici devant. Quand elle est partie, votre caleçon a disparu. C'est vrai. Elle est partie avec. C'est vrai. Elle est partie avec pour maudire. Elle vous a dit que je veux te montrer. Hein? C'est vrai. Elle a dit je veux te montrer. Oui, oui, c'est vrai. C'est ça? C'est ça. Elle est partie. Elle est partie. Elle est partie avec votre caleçon. Elle allait vous maudire. Elle avait une amie qu'on appelle Nina. Et son amie Nina vous a dit que Nicole m'a dit des choses sur toi qui ne sont pas bonnes. Je ne voulais pas garder ça pour moi parce qu'elle m'a dit qu'elle elle va te travailler chez un marabout. Vous avez dit que ah, si elle veut, elle part. Elle part. Et Nina vous a dit que non, mais moi je suis gentil. Je ne suis pas comme Nicole. Moi, si je reste avec toi, tu seras bien. Vous avez commencé avec Nina, vous êtes rendu compte que ça ne va pas avec elle aussi. Elle n'est pas sérieuse. Ces jours-ci, là, vous vous êtes séparés. Pourquoi vous respirez comme ça? Moi, c'est la vérité. Il ne respire plus bien. Écoutez, les femmes vous ont maudit. Parce que vous ne vous êtes pas bien comporté envers elle. Si vous êtes avec une femme, vous allez vous séparer. Séparez-vous dans de bonnes conditions. Sans la blesser ou la mépriser. Ou... Est-ce que vous êtes prêt à demander pardon à Dieu ce matin? Je suis prêt. Ok, dis Seigneur pardon. Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Je te demande pardon. Je demande pardon. Pour tout le mal. Pour tout le mal. Que j'ai fait. Que j'ai fait. À toutes ces femmes. À toutes ces femmes. Oh Dieu. Oh Dieu. Que ton sang. Oh son sang. Ton sang me purifie. Ton sang me purifie. Et me lave. Et me lave. Seigneur. Seigneur. Pardonne. Pardonne. Les péchés de ma jeunesse. Les péchés de ma jeunesse. Que tout ce qu'on a fait. Que tout ce qu'on a fait. Contre mon nom. Contre mon nom. Dans la sorcellerie. Dans la sorcellerie. Soit brisé. Soit brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que ce matin. Parce que ce matin, je suis sur la terre des prophètes. Je suis sur la terre des prophètes. Je reçois le pardon et la guérison. Et la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mettez la main au ventre. Père, j'ordonne maintenant qu'il soit guéri de toutes ces maladies dans le nom de Jésus. Qu'il retrouve tous ses sens et sa puissance au nom souverain de Jésus. Satan, que ta main soit retranchée de la vie de cet homme, car maintenant il est né de nouveau et il a confessé son péché et son péché lui est pardonné dans le nom souverain de Jésus-Christ. Il y a free.
sera mi valo sera. Oh, ya sera mi filigaro sera. Merci parce que tu guéris maman au nom de Jésus. Seigneur, fortifie son corps, fortifie sa chair, fortifie son âme, fortifie son esprit dans le nom souverain de Jésus. Toute maladie est jugée, condamnée et chassée dans le nom puissant de Jésus. Maman, sois guérie au nom de Jésus Christ. Amen. Et sera mi filo que l'on chéri. Oh, 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 Arumelo. Et sera mi morapino te lo sera beau. In Jesus' name, you are free. You are free. You are free. In Jesus' name. Démon d'épilepsie, sors, sors et ne reviens plus jamais dans ce corps. D'offrir au nom de Jésus, démon d'insuffisance rénale, Père, que ses reins soient remplacés ce matin au nom souverain de Jésus, au nom souverain de Jésus Christ. D'offrir in Jesus. D'offrir, Père, je commande la guérison et la vie. Que toute partie de son organisme qui est touché soit guérie au nom de Jésus-Christ. L'Afrique. L'Afrique. Dis mon Père, ta gloire est sur ma vie. Et c'est faire à mes morts sera. Oh, oh, oh. C'est qui ça? Elle a quoi? Elle est à l'hôpital, elle a l'infection bactérienne. Au ventre. Au ventre? Oui, papa. Tenez. Que ces bactéries soient jugées maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Offrez. In Jesus' name. Dis mon Père et mon Jésus. Que ta main soit dans ma vie. Ta gloire est dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Et sera mi filakei. Oui. Oui, et t'es laissé qui? L'enfant m'a dit que c'était son professeur principal. Oui. Au collège à Mazia, comme oui. Elle était première du centre, oui. au level. Donc le professeur, comme elle partait à l'OASI, le professeur le conseillait qu'il faut qu'elle tienne toujours comme ça, qu'elle ne regarde pas ce que les amis font. Oui. Elle continue toujours comme ça en terminant pour avoir le même résultat. Ça c'est pourquoi? C'est pour le dossier de voyage. En France. Fais ta grâce au nom de Jésus-Christ. Allez-y. Dieu bless. Ok. Zarotawa inares, 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 inares. Garos infrodei, wa inaros parodei. Vous êtes avec qui ici? Je suis seul. Hein? Au nom de Jésus-Christ. Tout démon de blocage quitte votre vie ce matin dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Trop de problèmes financiers. Quiconque a des blocages financiers, que Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. Dis mon Père, ta grâce. Tenez les gens, l'onction est en train d'agir ici. Ah, Gérami Surai. You are free in Jesus' name. Oh. Surai filo kero sera. Yafri. Ete na lo suvorai. Oh. Son père est où? Son père est où? Il est à la maison. Ah? On lui a appelé pour le travail. Ah? Il est au travail. Il est au travail. Vous êtes où? Je suis dans le nord-ouest. Ah? Je suis du nord-ouest. Vous êtes du nord-ouest? Oui, papa. Ok. Je prie que Dieu vous restaure. Amen.
Amen. Qu'il console votre cœur. Amen, papa. Console votre cœur. Amen. Écoutez, le Seigneur va vous aider. Parce que vous êtes dans des difficultés actuellement. Amen. Mais dans votre relation, vous priez. Votre relation, vrai, vous papa. Priez pour ça. C'est compliqué. Votre vie a toujours été compliquée. Vérité, et je veux papa. Prier pour vous. Amen. Que Dieu intervienne dans votre maison. Amen. Toute personne dehors qui cherche à séparer votre mariage, que Dieu la juge. Toute Amen. Femme dehors. Toute Amen. Femme. Amen. Toute femme dehors. Et je parle dans la vie de toute femme mariée. Toute femme dehors qui veut charmer ton mari, t'arracher ton mari. Que Dieu l'expose. Amen. Je l'expose même déjà ce matin. Amen. Dans le nom de Jésus. Vous voyez? Et Jevaro Sera Sarumi. Madame, votre mari suit la télé ici. Il regarde la télé ici. On est membre d'ici. Vous êtes membre d'ici? Oui. Dites-lui que je veux le voir. Okay, mon... Parce qu'il est en train de gaspiller votre vie. Il doit prendre soin de vous. Amen. Il doit prendre soin de vous. Il ne vous respecte pas. Amen, papa. Il ne vous respecte pas du tout à la maison. Il est très violent envers vous à la maison. Il faut qu'il arrête ça. Et vous avez, ça c'est qui? Ma mère. Que Dieu la console au nom de Jésus. Amen. Vous d'abord, que Dieu vous console. Dites à votre mari que je veux le voir. Go, papa. Vous, il est en train de s'abuser. Vous avez même refusé quelqu'un à cause de lui. Vérité, j'avais laissé papa. Un gars nordiste Vérité. À cause de lui. Vérité, un nordiste qui avait signé derrière vous, là-bas. Sani. Il a dit qu'il veut, tu seras ma femme. Vérité. Mais vous l'avez laissé pour épouser quelqu'un qui... Dites-lui que je veux le voir. Vérité, je veux parler papa. À lui-même. Si tu épouses une femme, respecte-la. Tu ne peux pas respecter une femme, ne l'épouse pas. Si un homme ne respecte pas sa femme, qui respectera sa femme? Ou si une femme ne respecte pas son mari, qui respectera son mari? Non, mes amis. Le mariage est simple, hein? Très simple. Ça va, gouverneur. L'Éternel fera de toi un grand propriétaire terrien. Amen, amen, amen. J'ai vu ta mort. J'ai vu tes enfants se disputer à cause de tes biens. Amen. Hein? Amen. Tu as une femme? Oui. Elle est où? Elle est à la maison. Elle n'est pas venue aujourd'hui. Hein? Elle n'est pas venue aujourd'hui. Elle n'est pas venue aujourd'hui. Ça, c'est qui? C'est un enfant qui t'a vu. C'est un voisin. Un voisin. Je vais prier pour vous, pour vos spermatozoïdes. Parce que j'ai vu un esprit parler sur ça. J'ai vu un esprit maudit vos spermatozoïdes pour que ça ne donne pas les enfants. C'est quoi qu'on appelle azospermie? C'est quoi? Hein? Je dois prier pour ça. L'azospermie. Amen. Vous avez entendu ce nom? Azospermie. J'ai entendu. Hein? J'ai entendu ce nom. Nous prions que ça... Que Dieu vous garde. Amen. Qu'il vous préserve. Amen. Pourquoi elle n'est pas venue? Elle avait une réunion familiale. Que Dieu vous aide dans vos mariages. Amen. Lève ta main. Dis, j'ai besoin de toi, Jésus. Il y a des gens que Dieu vient de revêtir de gloire ce matin. Amen. Il y a des gens que Dieu vient d'établir. Tu vas juste remarquer pendant la semaine... Que ta vie change. Hein, maman? Vous faites le commerce. Vous vendez quoi? Pelé. Vous vendez les ananas pelés. Pelé. Oui, papa. Vous vendez les ananas pelés. Oui, papa. Venez, je vais vous montrer quelque chose. Suivez-moi. Madame. Amen pourquoi? Amen de quoi? Papa. Vous savez qu'elle amène. Je n'ai pas lui donné l'eau à boire. Non, papa, amen. Papa, nous vendons ensemble. C'est qui? Vous vendez ensemble? Oui, vous êtes marché ensemble? Oui, papa. Papa, j'ai tant attendu. Et celle-ci, c'est qui? Papa, vous vendez toujours ensemble? Oui, papa. Donc, c'est l'association des vendeuses d'ananas. Oui, papa. On en a appelé. Vous venez alors les trois. Adonai.
tonight. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, qui vous amène loin. Vous êtes comme une mannequin. Papa, j'avais fait ça en deux. Vous avez fait mannequinat, d'accord. Zarat, parce que je l'ai vu. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Papa, ma mère avait ouvert. Elle avait dit qu'elle a peur de vous perdre. Qu'elle a peur de vous perdre. Ok. Est-ce que je peux prophétiser chez vous maintenant? Oui, prophète. Amen. C'est votre quantième fois de venir ici. Prophète, je suis là depuis le mois de juin. Ah? Juin. Juin. Tous ceux qui sont ici, votre histoire change cette semaine. Amen. Tous ceux qui sont ici. Il y a une grâce particulière sur vous et personne ne vous la volera au nom de Jésus. Regardez, dans le règne de l'esprit, je vous ai vu vouloir voyager et partir. Et il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. Amen. Mais je peux prier qu'elle s'ouvre si vous voulez. Oui, prophète. Hein? On peut faire ça. Ok. Le Seigneur va ouvrir une porte pour vous, pour l'Europe. Amen. Et ça sera pour une carrière professionnelle. L'ange de l'Éternel manifestera la gloire de Jésus-Christ. Amen. Parce que dans votre famille, vous avez le fardeau d'aider votre famille. Vous voulez aider la famille. Vous dites, Seigneur, bénis-moi pour que ma famille soit bénie et ma famille verra ta gloire. Et tout le monde témoignera que tu es mon Amen. Dieu. Amen. Pour ça, le Seigneur m'a dit de vous dire qu'il va vous surprendre. Amen. Il y a une fille avec qui vous avez fait dans le mannequinat. Qui est partie, alors je parle ici. Elle n'est plus au Cameroun, on l'appelait Mado. Elle n'est plus au Cameroun. Alors je pars, elle est en France. Elle va vous chercher. C'est elle a pris votre place. C'est vous qui devriez partir. Vous connaissez ce qu'on appelle le trafic de destinée. Regardez, ne pleurez pas. Regardez la femme ici. J'ai d'accord avec vous un jour. On en a discuté. Vous voyez, l'Esprit de Dieu m'a montré ceci. Vous devriez voyager. C'est votre nom qui devrait, qui était même déjà écrit. Après, à la fin, on a enlevé votre nom. On a mis le nom de Madeleine. Mado, elle est partie. C'est aussi un mannequin. Elle a voyagé. Et le gars qui faisait le placement s'appelait Yves. C'est lui qui gérait les filles là. C'est lui qui vous gérait. Ce que j'ai dit, c'est ça. Hein? Non, elle pleure. Yves avait écrit son nom, mais après, on a détourné. Mado est parti. Pourtant, elle était parmi les meilleurs mannequins, en fait. Et Yves était même amoureux de vous. On l'appelait Yves Laurent. Elle est dépassée. Dis, mon Père et mon Jésus. Qu'on ne vole pas ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Votre voyage est libéré. Amen. Votre carrière est libérée ce matin. Amen. You are free in Jesus' name. Amen. Dis mon père, on ne volera pas mon héritage. Je veux prophétiser ici. Écoutez la parole de l'Éternel. Les promesses pour lesquelles tu pries depuis des années. Dieu se souvient de sa promesse pour ta vie ce matin. Vous verrez les choses commencer à s'accomplir. Commencer à s'accomplir. Les choses pour lesquelles ton âme a langui pendant des années. L'Éternel se souvient de toi. L'Éternel se souvient de toi.
Il se souvient de ses saintes paroles pour ta vie. Il se souvient de ses promesses pour ta vie. Et je vois Dieu revenir accomplir sa promesse. Personne ne te volera cette prophétie. Personne ne te séparera de cette prophétie. Reçois dans le nom souverain de Jésus. Je prophétise sur cette rangée. Écoutez la parole de l'Éternel. Aucun de vos enfants n'échouera dans cette vie. L'Éternel établira chacun de vos enfants sur un trône de gloire qui fermera la bouche de vos adversaires dans vos villages, dans vos familles, dans cette génération, dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Je parle sur cette rangée par l'Éternel des armées. J'ai vu chacun de vous ramasser des trésors qui étaient enfouis. Et Dieu m'a dit, prophétise, tout trésor qu'on t'avait volé, qu'on avait volé à tes ancêtres, qu'on avait volé à tes parents, tu récupères ce trésor ce matin. Tu récupères votre héritage ce matin. Les anges déterrent et ils te remettent dans ta main. Et tu retournes chez toi les mains remplies de l'héritage et du trésor de ta famille. Je prophétise sur cette rangée. J'ai vu des étoiles qui étaient éteintes. Et j'ai entendu l'ancien des jours parler. Et des anges sont sortis pour allumer ces étoiles. Et Dieu m'a dit, prophétise. Et je prophétise. Ton étoile brillera. Ton étoile brillera. Toutes les étoiles qui étaient éteintes sont rallumées ce matin. Elles sont rallumées ce matin. Les étoiles mortes ressuscitent au nom de Jésus. Tu brilleras comme une étoile dans la maison de ton père. Tu brilleras comme le firmament dans la maison de ta mère. Dans cette génération, les gens lèveront les yeux pour te voir briller dans le ciel. Tu brilleras plus que le gorillon dans le nom souverain de Jésus. Tu brilleras plus que la nébuleuse d'Andromède dans le nom souverain de Jésus. J'ai vu les gens ramasser des trésors par terre que les anges avaient déterrés. Je te le dis en vérité au nom de Jésus. Tu ne vas pas mourir misérable dans cette vie. À cause du culte de ce matin, le Seigneur t'introduit dans une saison de gloire, dans une saison de moisson, dans une saison de délivrance, dans une saison de richesse, dans une saison de succès. Celui qui se lève dit amen, ça descend. Tu dis 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 amen, ça descend. Au nom de Jésus. C'est qui? Donne-lui le micro. C'est qui? Ma mère, c'est ma mère. Elle a quoi? On l'a enlevée, elle est en Europe, à Nantes. On l'a enlevée de l'hôpital, qu'elle n'a aucune maladie. Elle doit avoir l'opération. Donc, elle est couchée aux urgences depuis 2 semaines. On lui a dit quoi? On a fait tous les examens, mon père, dans tous les hôpitaux en Europe. Elle est paralysée au pied. Elle est aux urgences dans la ville de Nantes. Oui. C'est mon neveu qui l'a amenée là-bas. On ne voit aucune maladie sur elle depuis qu'on est venu à l'église. Mets-toi le micro. Mets-toi le haut-parleur. Où est l'autre caméra? Où est la caméra? Allô? Vous ne connaissez pas? Comment j'ai eu le téléphone, vous ne connaissez pas mon ami? Attendez d'abord. Est-ce que j'ai le téléphone? Attendez. Bonjour, vous achetez le téléphone qui dépasse les gens comment? C'est où le haut-parleur? Oui, ça. Ça, c'est la première fois qu'il voit un téléphone qui n'a pas le haut-parleur. Allô? Allô? Allô, maman? Papa? Ne pleurez pas, maman. Dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quoi, maman? Dites-moi. Il y a quoi, maman? Salut, papa.
Vous êtes paralysé depuis quand? D'accord. Nous allons prier l'église. Mettons-nous debout. Maman, nous allons libérer vos pieds ce matin au nom de Jésus-Christ. La France n'est pas loin. La distance n'est pas une barrière. Que l'église se mette debout. Tendons la main vers cette photo. Commence à déclarer la guérison dans la vie de maman. Prophétisons la vie dans ses pieds maintenant. Ouvre la bouche et commence à prier. Et se fera Arago, Anora, Anara, Marovero. Et se fera Memora Benotelo y Varo, Anao Vaudelo, Vare, Adonai Filo, Gay, Manora Beno. Anzarove Gelofra voldeyan maro Enola omenora efelazo. Au nom de Jésus, on a prié. Allô, maman, vous me suivez? Oui, je vous écoute pas trop bien. D'accord. Il y a des parasites. Pas de problème, on va prier. Regardez, elle est paralysée des deux pieds. Elle est paralysée. Maman, écoutez, vous êtes victime d'une guerre spirituelle dans votre village par rapport à l'héritage de votre père et de la famille. Vous avez des oncles, je ne sais pas si je vais donner leur nom, vous avez des oncles qui luttent dans la sorcellerie à cause des biens que votre père a laissés. Et à cause de cette lutte, votre nom a été proclamé. Ce que vous avez n'est pas normal, c'est anormal, c'est spirituel. J'ai vu des hommes, j'ai dit leur nom, je fais comment? Elle a deux oncles qui sont dangereux dans son village. Un grand frère, petit frère, qui sont en train de lutter. Deux oncles. Père, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que ce qui a été fait par ces deux hommes retourne sur eux. Que ses pieds soient restaurés maintenant. 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 Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Je déclare la vie dans le pied gauche. Je déclare la vie dans le pied droit. Je déclare la vie dans le pied gauche. Je déclare la vie dans le pied droit. Je déclare la vie au niveau des reins. La ceinture rénale est touchée par le nom de Jésus. Maman, sois guérie. Sois guérie. Sois guérie. Sois guérie. Bougez un peu les pieds. Bougez un peu les pieds, maman. Montez-moi vos pieds. Et sera mi molem lola. Asura mi molem sevaro. Maman, montez-moi un peu le pied. Sera mi molem sevaro. Et sera mi mosivaro. Et sera la sore more. Maman, montez-moi vos pieds. Les pieds. Montrez-moi les pieds. Zarata, dis ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera plus. Quelle est cette méchanceté? Les Africains sont méchants. Les Africains, they are wicked. They are so wicked. Witchcraft. Wickedness. Wickedness, ça veut dire quoi? Très méchant. Hein? Très méchant. Vous êtes anglophone, hein? Dieu vous bénisse. Ses pieds sont où? Bougez un peu les pieds, maman. Bougez un peu les pieds. Bougez-moi juste les orteils. Bougez le pied là. Bougez les pieds, oui. Allez-y. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bougez.
Bougez. Pliez un peu le pied, pliez un peu. Pliez un peu. Pliez un peu le pied, pliez un peu. Oui. Voilà. Oh là là, courage maman. Oui. Et sera mimo se varo. Et sera mimo lem lo ge varo. Et sera mimo rem se varo. Et sera malato se vo. Et sera mimo lem lo la. Oh, sera mimo lem se varo. Et sera mimo lem lo. Gasura mi mola se guevaro, mi soro, mi lazo, se vo. Cette guérison est scellée au nom souverain de Jésus. Dimanche prochain, nous prenons le témoignage. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus pour ce miracle? Vous, montez-moi les mains. Où est l'huile de faveur? L'huile est où? L'huile. Vous allez vendre, on va vous demander si vous allez dans le forme là à partir de ce matin. Vous allez leur dire que le formulaire là, c'est Jésus. Où est l'huile? L'huile de faveur. Où est votre huile? Allez prendre. Aïe, aïe, aïe. Regardez les femmes-ci. Dieu fera d'elles des millionnaires pour sa gloire. Dans le nom de Jésus. C'est comme ça quelqu'un qui ne veut pas être béni ce matin. Votre chaise est où? Que Dieu vous bénisse. Hein? Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi? À la maison? Dans la chambre? Ça va, le Seigneur est bon. Merci. Amen. Hein? Hein? Votre nièce. Pourquoi je vois une blouse blanche? Je sais pas. Hein? Je sais pas. Elle est. D'accord. Dans le nom de Jésus de Nazareth, comme je vous oins, frottez, mettez sur vos têtes. Vous êtes bénis. Allez, au nom de Jésus-Christ. Dis mon Père, toute limitation dans ma vie, je la traverse. Toute barrière dans ma vie, je la traverse. Toute muraille devant ma vie, je la brise. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen trois fois, c'est scellé. Amen. Amen. Pendant que tu es debout, s'il te plaît, prends ton offrande d'alliance devant l'Éternel, ton Dieu, pour briser et renverser toutes les limitations et te revêtir du manteau de sa gloire ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Tu crois en cela? Dis Seigneur, je crois en ta parole et je me distingue ce matin par mon offrande au nom de Jésus-Christ. Prends 5 000, 10 000, tu avances devant l'autel, s'il te plaît. C'est l'offrande royale ce matin. Prends ton offrande royale, tu avances. S'il te plaît, prends ton offrande royale. L'offrande qui attire la royauté dans ta vie. Dans tous les projets de ta vie, tous les domaines de ta vie. Appelle la royauté. Tu as écouté la parole. Maintenant, fais quelque chose pour ta propre vie. I overcame. C'est tous ceux qui provoquent la royauté dans leur vie ce matin. S'il te plaît, bien-aimé, viens provoquer la royauté dans ta vie. Lorsqu'on parle de la royauté, tu dois changer ta mentalité. Même dans ta façon d'adorer Dieu, de le servir. Amen. Lève ton offrande royale. Dis Seigneur Jésus-Christ, cette offrande, je brise la limitation dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie, au nom souverain de Jésus. Seigneur, je prends ma royauté, ma couronne royale, mon sceptre royal et mon trône, et je m'assois dessus. Dans le nom de Jésus. Et je scelle
le symbole de ma royauté par cette offrande d'alliance royale. À partir d'aujourd'hui, ce qui est petit quitte ma vie, ce qui est honteux quitte ma vie, tout ce qui est moindre quitte ma vie. Je marche dans la royauté, dans tous les domaines de ma vie. J'active la royauté au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Dis amen trois fois comme le tonnerre, tu déposes son offrande. Tu as 2000 avances devant l'Éternel avec ton offrande royale ce matin. Viens dire, j'active la royauté dans ma vie ce matin. Ne limite pas le Seigneur. Viens provoquer ton Dieu. Dis, Seigneur, je scelle cela par l'offrande d'alliance royale ce matin. Tu viens juste rapidement. Tu as 1000 francs, tu avances. Tu tiens 500 dans ta main, tu avances. Le jeune homme là, venez. Venez. C'est votre femme derrière. Venez. Ça va? Vous faites quoi dans la vie? Je travaille dans une société avec des Vietnamiens. Hein? Avec les Blancs. Je travaille avec les Blancs. Oui. Je suis technicien. En quoi? On fait dans le bois, donc on transforme le bois, ça part chez eux. Faites attention, sinon la femme si sera veuve et l'enfant orphelin. Vous me suivez? Oui, pardon. Faites attention. Vous avez un ami, un collègue avec qui vous avez eu des problèmes il y a cela quelque temps, Vincent, qui cherche à vous faire du mal. Il cherche à ce qu'on vous tire dessus. Il est en train de chercher quelqu'un pour qu'on tire sur vous avec le fusil. Donc soyez prudents. Évitez de rentrer tard chez vous. Et je prie que l'ange de l'Éternel les aveugle. Que l'ange de Dieu les aveugle. Ça, c'est une histoire d'argent avec lui. C'est vous qui devriez, il devait gagner un marché. On vous a remis la responsabilité. Finalement, c'est vous qui avez gagné l'argent. Et il s'est fâché contre vous. Alors, je parle, il veut vous assassiner. Je ne dis pas pour vous mettre dans les problèmes, c'est pour vous avertir parce que vous êtes mon fils. Je ne peux pas voir quelque chose comme ça, je ferme ma bouche. Donc maintenant que vous connaissez, méfiez-vous. Si vous invite, ne partez pas. Évitez-le. Soyez sage. Lève ton offrande d'alliance. Dis mon Père et mon Jésus. Oh Dieu, je suis roi. Établi par le roi des rois. Je confesse que le sceptre de la domination est dans ma main. La couronne royale est sur ma tête. Et je m'assois sur mon trône. Dans le nom de Jésus-Christ, aucun pouvoir, aucune puissance ne me ramènera à terre. Je suis élevé, établi par le roi des rois. À partir de ce matin, je marche dans la royauté. Je vis dans la royauté. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, dis amen trois fois avant de déposer ton offrande royale. Hallelujah. He won the victory. Hallelujah.
Se reposer, la bataille pour le droit à la gloire continue à Yaoundé. La base internationale Rimabir en Kouabon abrite 3 jours de haute tension prophétique avec le révérend prophète Ferdinand Ekané sous le thème « Marcher dans la gloire avec Jésus-Christ ». Du mercredi 13 au vendredi 15 septembre 2023, c'est 13 et 14 septembre dès 17h et la clôture ce vendredi 15 septembre 2023 dès 21h avec la nuit des flammes, la nuit de la gloire. Bien-aimés, c'est un programme de délivrance, de guérison et de dénonciation des œuvres de la sorcellerie. Ne manquez pas ce grand programme de délivrance des destinées et êtes en huile de faveur. Infoline plus 237 693 40 60 70 plus 237 672 13 03 23. Psaume 91, 1 dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'Éternel est un refuge pendant la détresse, une forteresse, et c'est lui qui te délivre des pièges du diable, de la maladie, des limitations. Il peut te guérir, te libérer, car il donne la victoire dans toutes les batailles. Bien-aimés, vous avez l'occasion chaque nuit des flammes à la CBC Rema Ministry Mission de renverser par la prière les ennemis de votre progrès. Pour ce mois de septembre, mois de la marche dans la gloire sous le thème « Marcher dans la gloire avec Jésus-Christ ». La nuit des flammes de Yaoundé se tient ce vendredi 15 septembre 2023 dès 21h à la base internationale. Alléluia. Il y a un miracle ici. Prophète Aina Alan, on m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Donc, prophète Papa Fena, comme là, on a eu. Makana. Elle dit quoi? Elle s'est levée. Hein? Elle s'est levée, le lien vide, elle est en train de marcher. Levez-vous, maman. Est-ce qu'on peut célébrer? Dites-le. Regardez-la marcher dans la salle à l'hôpital. Regardez-la maman marcher en direct. Mon frère, viens. Elle est en train de marcher. Regardez là. Elle est à l'hôpital en train de marcher. Marchez, maman. Marchez. Jésus n'est pas seulement. Regardez là. Regardez-la en train de marcher, regardez-la debout, regardez-la. Et Dieu Pharaon sera Zaromé. Hey! Et Dieu Pharaon Gaxurum sera vos Gaxore Adonai. Espera, Gasuri, me será mi more
voté. Et tes varos sera Macassar. Hey! Inspiration. Allô maman, regardez là, elle est debout. Allô maman, allô, vous êtes en train de marcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, et qu'est-ce que vous promettez à Jésus qui vous a guéri? Mettez le volume. Jésus, depuis l'enfance. Allô? Je suis chrétienne. Oui, je suis chrétienne depuis l'enfance, papa. Je ne sais pas si j'ai passé la journée sans prier. Je ne vis que dans la parole du Seigneur. D'accord. Là, vous êtes, en train, de, vous êtes en train de marcher dans toute la salle. Nous sommes en train de vous voir marcher. Oui, oui, oui. C'est parce que il y a même les malades, je pouvais marcher tout le couloir là maintenant. Il y a un monsieur, papa, donne-moi deux minutes, je te dis une chose vite fait. Il y a un monsieur qui a voulu me voler là-bas au Cameroun. Il se disait que c'était toi. Et il m'a demandé 350 000. Heureusement que mon fils que tu vois là, je lui ai dit, il a cherché même à arrêter ce monsieur, mais il était malin. Ça fait déjà 3 mois aujourd'hui. Disais que Dieu va faire. Je savais que tu allais me guérir. Je le disais tout le temps. C'est Jésus, c'est j'avais pas moi, maman. Que tu vas me guérir. C'est Jésus. Oui. C'est son. Méfiez-vous, c'est des arnaqueurs. Tous ceux qui vous demandent l'argent sur Internet, c'est pas le prophète Kane Ferdinand. Il y a plus de 50 à 100 faux profils à mon nom. Et je ne sais pas comment les gens s'abonnent dans leur page. Plus de 50 000 abonnés dans des fausses pages. Méfiez-vous, tous ceux qui vous demandent l'argent, mon nom, c'est pas moi. Il avait tes photos, tout de toi, tout de toi. Tout. Ça va, maman? La maladie, là, quitte vos pieds, ça passe sur ses pieds. Vous êtes guéri, maman. Que Dieu vous bénisse. La scène, c'est que je suis arrivé ici le matin, puisque depuis 2 jours, elle ne parlait pas, elle était paralysée. Oui. Quand je suis arrivé ici, je lui ai envoyé le message que aujourd'hui, Dieu me parle que le prophète va maman, faire. Maman, l'opération est annulée. Dites à votre docteur que vous ne voulez plus l'opération, c'est fini. Yes! She's free. Comment expliquer ça? Quelqu'un est paralysé, elle ne marche pas. On l'amène en France, on fait les examens, on ne voit rien. On lui dit qu'on va l'opérer. On prie à l'église. Elle est paralysée à l'hôpital. Elle se met à marcher à l'hôpital. Et vous vous amusez avec Jésus. Don't dare with my Jesus. Ne joue pas avec mon Jésus. Nous ne servons pas un petit Dieu. Lève ta main, tout le monde. Le genre de miracle, si tu dois être debout. C'est même quoi avec vous ce matin? Mets-toi debout. Tends ta main vers moi. Je déclare que ta vie sera une vie de miracle. Et je déclare dans ta vie que tu deviens producteur de miracles au nom de Jésus. Amen. Tu iras de miracle en miracle. Amen. De gloire en gloire. De témoignage en témoignage. Dans le nom souverain de Jésus. Je déclare cette semaine, semaine miraculeuse dans ta vie. Amen. Semaine miraculeuse dans ta vie. Amen. Semaine miraculeuse dans ta vie. Amen. Tu vas expérimenter le surnaturel. Amen. Tu vas expérimenter des choses que tu n'as pas expérimentées jusqu'ici. Amen. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Je reçois ma portion royale. Je reçois ma portion royale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis amen, cette fois c'est scellé. Amen. 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 Célèbre Jésus. Woo!
célèbre. Yes. Merci Jésus. Vous savez que la semaine-ci, c'est la folie ici à la Bire. Amen. Mercredi, jeudi, tous les soirs 17h, vendredi, la nuit des flammes. Bien-aimé, ne t'amuse pas à manquer. Pardon. Et que l'Éternel te surprenne financièrement pour être là avec toute ta famille. Amen. Tu dis Amen. Sa grâce tombe sur toi au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus par nos acclamations? Alléluia. Bien-aimé, tu as apporté ta dîme ce matin, s'il te plaît, avance. Ta dîme, s'il te plaît. Et ceux qui ont leurs offrandes spéciales se préparent. La dîme représente 10% de nos revenus. Un roi donne toujours sa dîme. C'est pour honorer le roi des rois. 1 Pierre chapitre 5 verset 6 dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. » Bien-aimé, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais c'est Dieu qui élève car il honore ceux qui l'honorent et se confient en lui. Chère famille, vous avez besoin de Dieu pour briser les blocages. C'est pourquoi le révérend prophète Ferdinand Ekanet organise chaque mois les cultes des familles. Pour ce mois de septembre, rendez-vous ce dimanche 24 septembre 2023 dans toutes les assemblées CBC Rema Ministre Mission, à la base internationale Rimabir en Kouabon. Ici à Yaoundé, le culte familial débute à 7h30 à la même date. C'est un rassemblement où toutes les familles renouvellent leur appartenance à l'Éternel et sont consacrées, chacune avec son offrande de consécration familiale. Un acte qui annule les malédictions, multiplie les bénédictions et préserve les destinées. Ne manquez pas ce grand programme en présentiel comme en direct et ayez votre huile de faveur. Info Line 693 40 60 70, 672-13-03-23. Odette, Papa Victor, Princesse et Christabel, Maman Odette, elles sont pas acclamées pour nos bien-aimés. Juste en quelques secondes, pourquoi ces offrandes? Je vous en prie. Juste en quelques mots, oui. Dites-nous, pourquoi vous faites cette offrande? Bonjour, peuple de Dieu, bonjour. Je fais cette action de grâce parce que le Seigneur nous a accordé la réussite au CPE concours d'entrée en 6e. Elles n'ont pas acclamé Jésus pour elles? Oui, papa. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens ici donner les prémices. J'ai acheté un vieux pick-up que j'ai retapé et c'est le premier job que je donne le prémice à l'Éternel. Gloire à Jésus. Acclamons Jésus. Attendez, papa. Oui. Je vais dire bonjour, peuple de Dieu. Je vais bâtir l'autel à l'Éternel pour rappeler à Dieu ses promesses dans ma vie, toutes ses promesses, tout ce qu'il a promis. Amen. Amen. Acclamons Jésus. C'est fini, il y en a encore? Rapidement, s'il vous plaît. Oui, maman. Vous nous dites pourquoi cette offrande? Bonjour, peuple de Dieu. Je fais cette offrande de grâce pour tous les bienfaits que le Seigneur a toujours fait dans ma vie. Et je demande au Dieu de Daddy de nous donner la protection divine dans ma famille et dans la maison de ma mère. Et chasser l'esprit de mort qui règne dans la maison de ma mère, au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Levons nos offrandes, je vous en prie. Père, au nom de Jésus, et par l'alliance que tu as faite avec mon Père, Seigneur mon Dieu, mon Roi,
Seigneur, étends encore une fois de plus les limites dans leur vie au nom de Jésus. Seigneur, que toute barrière, Seigneur, qui s'attaque à ta gloire dans leur vie, soit renversée au nom puissant de Jésus. Père, que ta bénédiction descende sur chacun au nom puissant de Jésus. Amen. Nous acclamons Jésus. Vous déposez vos offrandes. L'huile de faveur est disponible. Je vous en prie, l'huile de faveur est disponible. Et tu es dans la salle, tu en as besoin. S'il te plaît, tu peux avancer. L'huile de faveur, tu avances. L'huile de faveur, ce n'est pas dans les réseaux sociaux, je vous en prie. N'y allez pas. Vous allez vous faire voler, arnaquer pour rien. C'est ici sur place quand nous avons culte. Alléluia. Jesus lives, and because He lives, I live. Hallelujah, Jesus lives, and my future is alive again. I overcame. Hallelujah. He won the victory. Hallelujah. He said it's finished. Enough. Gloire à Jésus. Amen. Juste, nous avons deux témoignages ce matin. Et après, nous allons prier pour nos enfants qui ont eu leurs examens l'année dernière. Amen. J'appelle déjà ici Mama Kamga et le frère Taïwa. Est-ce qu'ils peuvent avancer, s'il vous plaît? Acclamons Jésus pour eux. Comme papa l'a dit, nous sommes ici cette semaine à partir de mercredi. Mercredi 17h, jeudi 17h, et vendredi ce sera à partir de 21h parce que c'est la nuit des flammes. Nous nous retrouvons aussi dimanche à partir de 7h30. Et dimanche, nous aurons Sainte Cène. Et pour tous ceux qui veulent entrer dans les eaux de baptême, juste après le culte, vous me rencontrez et vous vous faites en Russie. Alléluia. Oui, Mama Kamga est venue ici. Vous regardez le peuple, maman, s'il vous plaît. Mama Kamga est venue ici parce qu'elle avait un sérieux problème. Ses enfants l'avaient abandonnée. Et elle est venue pleurer devant le Dieu de son père. Et lorsqu'elle est partie d'ici, les portes ont commencé à s'ouvrir. Et c'est ce que Mama Kamga veut partager avec nous. Mama, nous vous écoutons en quelques secondes. Oui. Bonjour, peuple de Dieu. Depuis 4 ans, depuis 2019, mes enfants m'ont abandonné. Les sorciers ont détourné mes enfants de moi. Je n'avais même plus rien à manger, je n'avais rien. Je suis venue ici là, me plaindre. Papa Bassa, maman dit que mets-toi à la ligne de prière. Là, tu auras l'occasion de parler à papa. C'est ça que j'ai fait le dimanche passé. J'ai pris toutes les photos des enfants. Quand papa arrivait sur moi, mes mains tremblaient, les photos voulaient même tomber. Papa a lu mon papier et puis il a demandé, il a arraché la photo de ma troisième fille, qui est celle qui s'en occupait tout de moi et qu'on l'avait aussi détournée. Il m'a dit que celle-ci est quand même mariée. Non, j'ai dit oui, papa. Papa est parti même avec sa photo. J'ai dit que Seigneur, là où papa est parti, là, je sais que ma délivrance est en train de venir. Mm-hmm. J'arrive à la maison maintenant. Lundi passe. Le mardi, je vois ma fille qui ne sait pas aussi mariée. On est toujours à la maison. Elle vient en courant. Elle me dit que maman, est-ce que tu sais que tante qui s'est envoyé la nourriture, que je pars à Family Love, à Santa Lucia, à récupérer la nourriture. C'est nous tous à la maison, on a dansé. J'ai dit que Rema, oh yeah! J'ai crié Rema dans la maison, tout le quartier m'a entendu parce que je n'avais même plus rien à manger. J'ai dit merci au Dieu de notre Père et j'ai dit merci à notre Papa. Je sais que la délivrance de ma famille est en train de venir. Je rends grâce à Dieu. Gloire à Jésus. Elles sont pas acclamées Jésus? Merci maman. Alors, le frère Taïwa a été victime d'un accident en 2021 et depuis son accident jusqu'à quelques jours, ça n'allait toujours pas. Mais lorsque papa était à Douala et il priait, il s'est connecté à la prière de papa. Et aujourd'hui, il a une bonne nouvelle à nous annoncer.
Frère Taïwa, dites-nous de quoi il s'agit. Bonjour, bien-aimé en Christ. J'ai eu un miracle que papa a prié depuis Douala, lors qu'il était à Douala mercredi. Je ressentais le mal, ce bras. Et la douleur que j'avais a disparu. Je viens témoigner ça et je rends grâce à Dieu parce que depuis que je suis venu à Réma en juin, j'ai eu la paix dans mon cœur. Je suis restauré. Et ce matin en venant, juste ici à l'entrée, on a failli faire l'accident encore. Mais Dieu a dévié. La moto a pris mon pied gauche. Le chauffeur, le gars de la moto qu'on était derrière a dévié, mais ça a pris mon pied gauche. Protection divine. Oui. Si on peut acclamer Jésus, acclamons Jésus. Merci papa. Ok, un panier s'il vous plaît. Ce sont de bons actes. Scellez son témoignage. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bien-aimé. Alléluia. Amen. Les enfants qui ont les lauréats aux examens, s'il vous plaît, avancez. Nous prions et nous allons partir. Les lauréats aux examens, tous les enfants qui ont eu leur examen, leur diplôme cette année, s'il vous plaît, avancez. CP, concours, BPC, CAP, probatoire, BAC. Alléluia. Est-ce que vous avez lu le faveur? Vous avez lu le faveur? Cherchez-moi une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Cherchez une bouteille d'eau rapidement, nous allons prier, il faut qu'on parte. Je n'ai plus de conseils à vous donner, je crois que papa nous en donne tout le temps. Amen. Je prie tout simplement que la même flamme continue toujours à briller dans vos études au nom puissant de Jésus. Qu'aucun démon, qu'aucun sorcier dans vos familles n'enterre vos diplômes au nom puissant de Jésus. Que vous allez de succès en succès au nom de Jésus. De réussite en réussite au nom de Jésus. Que vous priez comme la splendeur du ciel au nom puissant de Jésus. Et que Dieu vous donne le plus grand témoignage dans votre famille au nom puissant de Jésus. Toute malédiction est brisée au nom de Jésus. Rapidement, une bouteille d'eau. Levons nos mains. Je veux une bouteille d'eau rapidement. Père, au nom de Jésus. Et par le manteau que tu as donné à ton serviteur, mon Père, sur lequel je me tiens ce matin. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu l'as établi comme oracle dans cette nation et dans toutes les nations, tu l'as toujours envoyé. Je prie pour tes enfants ce matin. Seigneur, qu'aucune malédiction qui dévorait leur famille ne s'attaque plus à leur vie au nom puissant de Jésus. Que toute personne qui avait ouvert sa bouche contre eux tombe au nom puissant de Jésus. Seigneur, que de grandes portes leur soient ouvertes au nom puissant de Jésus. Seigneur, qu'ils réussissent, Seigneur, dans tous les domaines de leur vie au nom puissant de Jésus. Que leur seul diplôme attire le travail, l'emploi, la promotion au nom puissant de Jésus. Seigneur, si d'autres n'arrivaient pas à travailler leur diplôme, eux, à cause de ta grâce dans la vie de notre Père et qui est répandue sur eux, Seigneur, ils travailleront avec leur diplôme au nom puissant de Jésus. Ils seront grands au nom puissant de Jésus. Et que le trône que tu as dressé, établi pour chacun, Seigneur, s'assureront sur leur trône au nom puissant de Jésus. Père, que ta grâce et ta lumière brillent sur chacun. Au nom puissant de Jésus, je veux entendre quelqu'un dire « Amen comme le tonnerre ». Père, je me tiens sur l'alliance que tu as faite à mon Père et je te prends ça cette eau. Seigneur, quiconque est touché par cette eau, ô Dieu, que le manteau de chair de honte quitte sa vie au nom de Jésus. Seigneur, nous les célébrons ce matin. Seigneur, nous les félicitons ce matin. Seigneur, opère un miracle. Seigneur, de grands miracles cette année au nom de Jésus. Seigneur, ils réussiront, ils ne chieront pas. Seigneur, que cette eau purifie leur diplôme, purifie leurs études, purifie leur vie. Au nom puissant de Jésus, dis Amen comme le tonnerre. Que le Dieu de mon Père vous accompagne.
Nous sommes arrivés au terme du programme de ce matin. Que Dieu glorifie son nom une fois de plus au nom de Jésus. Qu'il continue à remplir notre Père au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, mettons-nous debout. Prends ta bouteille d'huile de faveur. Mets dans ta main droite. Donc tu es informé par rapport au programme de cette semaine. Bien-aimé, comme papa a l'habitude de dire, quand tu ne viens pas à un programme, il y a quelque chose que tu as raté. Donc mercredi, jeudi, 17h ici à la Bille. Et vendredi, 21h ici à la Bille. Ne manque pas. Ne manque pas. Alléluia. Lève ta main. Nous prions. Père, passes-tu de faveur qui touche nos mains. Seigneur, que la royauté descende dans nos vies au nom de Jésus. Que la couronne descende dans nos vies au nom de Jésus. Que le sceptre royal descende dans nos vies au nom de Jésus. Que le trône soit établi pour nous au nom puissant de Jésus. Personne ne volera plus ce que tu nous as donné au nom puissant de Jésus. Que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite. Seigneur, nous ne serons point atteints au nom puissant de Jésus. Que ta grâce et ta faveur accompagnent chacun de nous au nom puissant de Jésus. Toi qui as établi notre Père, que ton alliance parle dans nos vies au nom puissant de Jésus. Le Dieu de mon Père bénit ta famille au nom de Jésus. Bénis ta main droite au nom de Jésus. Bénis ta main gauche au nom puissant de Jésus. Bénis ta famille au nom de Jésus. Bénis ton lundi au nom de Jésus. Bénis ton mardi au nom de Jésus. Bénis ton mercredi au nom de Jésus. Bénis ton jeudi au nom de Jésus. Bénis ton vendredi au nom de Jésus. Bénis ton samedi au nom de Jésus. Et ton dimanche est béni au nom puissant de Jésus. Je veux entendre quelqu'un dire amen comme le tonnerre. Tu mets ta main sur ta tête et tu mets l'huile. Lève ta bouteille d'eau. Père, par ta grâce dans la vie de mon Père, que cette eau soit bénie au nom de Jésus. Que ta grâce descende dans cette eau au nom de Jésus. Que le miracle descende dans cette eau au nom de Jésus. Que la guérison descende dans cette eau au nom de Jésus. Seigneur, partout cette eau sera utilisée. Seigneur, qu'il y ait des cris de joie au nom puissant de Jésus. Seigneur, manifeste ta puissance au nom puissant de Jésus. Dis amen comme le tonnerre. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui veut faire partie du groupe de la